Salut les petits amis, salut, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux pas de pita. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Il réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, c'est pas moi. Avec une tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, the first and last of us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins des software. Marcus, Marcus, the first and last of us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au Il danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us, Marcus, Marcus, the first and last of us, Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, the first and last of us. Marcus, 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 Marcus. Ah, moi c'est fini. Salut les petits amis, salut, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux pas de pita. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, c'est pas moi. Avec une tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, the first and last of us, lui dont le buzz éclaire
story. Marcus, Marcus, the first and last of us. L'Atari et au Il danse la Chewbacca entre deux pains de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. 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 Salut les petits amis! Bienvenue à bord! Est-ce que tout fonctionne? La première question que je me pose à moi-même à chaque fois. Qu'est-ce qui va bien pouvoir merder ce soir? De moins en moins, vous avez remarqué. Tout, de plus en plus, tout va mieux, c'est cool. Vous avez l'air de me voir déjà, c'est pas mal. Salut Vlacero, salut Club des Ratés, salut Forever Young. Oh, toi aussi, tu es un vampire. Salut Monty Merson, qui est là. Alex Kawai est là, avec des petits intrépides en symbole, c'est joli comme tout. Mon Solid Snake est là, mon Snakewed est là, mon Goldorf est là, Seb Meister, ma French Ginger. Gros bisous au passage. Younes Alaska, très bien, tu sors du travail. Et le dindin qui s'abonne, mais tu t'es pas déjà abonné. Alors dindin, n'importe quoi, il s'abonne au chat alors que c'est le modérateur et je le remercie encore mille fois de veiller sur nous tous les soirs. Et en plus, il gagne la meilleure vanne la semaine dernière. Il est en train de basculer de l'autre côté petit à petit. Étape après étape, c'est absolument incroyable. Merci mon dada, c'est gentil en tout cas. Je t'ai envoyé ton cadeau d'ailleurs. Comme tous ceux qui ont gagné la semaine dernière, y compris ceux qui n'avaient pas gagné d'ailleurs. Je crois que c'était l'anniversaire de Ludo. Donc Ludo, si t'es encore là, t'as un petit cadeau d'anniversaire qui est en train de partir à la poste. Peut-être déjà arrivé, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des belles vannes, des belles vannes de dada. Et d'un autre candidat, je me souviens plus qui c'était, mais du coup, j'ai fait gagner les deux, c'était cool. J'ai sorti le t-shirt Star Wars, bien sûr, mon gamer digital, merci encore pour le cadeau, il est magnifique, regardez, bah oui, c'est vous qui me l'avez offert, donc vous le connaissez mieux que moi. Mais voilà, je le porte maintenant. Je l'ai sorti en hommage à The Book of Boba Fett. Qu'est une vraie merde! Oh là là, je suis déçu, c'est horrible, c'est de pire en pire. Le premier épisode, c'était cool. Le deuxième, un peu moins. On commençait à voir un peu les coutures et tout ce qu'allait pas. Et le troisième, c'était la cerise sur le gâteau de merde. C'était horrible. Horrible. C'est fou, j'ai commencé à regarder le quatrième épisode hier soir. Je me suis endormi. Faut le faire pour s'endormir devant un truc de Star Wars qui dure 30 minutes. Voilà, j'étais fatigué, faut dire, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive de piquer du nez en regardant le Book of Boba Fett. C'est juste incroyable, quoi. Incroyable. Autant, ouais, on est d'accord, Maxwell et Riette. Les boulettes, d'ailleurs, changer de pseudo. Et oui, Mandalorian, c'était super, mais ils n'ont pas retenu les leçons. Mandalorian, ça respectait bien l'idée des Mandalorians, ça creusait un peu la mythologie des Mandalorians. Et là, Boba Fett, qui n'est pas un Mandalorian, même s'il a une armure Mandalorian, c'est un mercenaire, un chasseur de primes, un mec a priori pas très clean, qui en plus devient chef de la paix, donc il devrait vraiment basculer du côté obscur, et il est cool, il est gentil, il est poli avec tout le monde, il veut qu'on l'aime et qu'on le respecte plutôt qu'on le craigne, c'est tout l'inverse du personnage, c'est incroyable. Il arrive à prendre le contrôle de la pègre avec sa bite et son couteau laser, une copine, voilà, deux gardes gamoréens qui restaient là un peu désœuvrés et un droïde, et ça suffit pour prendre le contrôle de la pègre. Dans Scarface, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Un gars tout seul peut difficilement faire des choses, à moins d'être ultra violent comme Pacino. Mais lui, c'est pas le cas. Très cool, il va régler des petits problèmes mineurs. Vraiment, c'est horrible, ça tient pas, quoi. Ça tient pas. Et puis c'est mou. Il y avait une poursuite en parcours sur des toits dans le deuxième épisode qui était déjà pas terrible, mais ils ont réussi à faire pire dans le troisième avec une poursuite en scooter. Des scooters dans Star Wars. Et des scooters de couleur, pour ceux qui n'auraient pas vu encore la photo. Boba Fett, c'est pas... Oui, c'est Boba Fett, exactement, lui l'embrouille. C'est pas la fête, en tout cas. Des scooters rouges, verts, bleu, jaune. Ce qu'on a dans les Power Rangers. Incroyable, incroyable. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Bizarre. À part que... Là, du coup, on voit l'effet Disney, c'est-à-dire que bah, c'est un personnage qui devrait être très méchant et qui est très gentil, finalement. Donc, je pense qu'on a atteint les limites de Disney. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller plus loin dans la noirceur. Alors, du coup, tout le monde, c'est le pays des bisounours, Boba Fett, alors que ça devrait être tout le contraire. Donc, bon, c'est raté, quoi. Autant Mandalorian, ça pouvait passer parce que le mec a un code d'honneur, etc. Donc, on peut se dire qu'il évite la violence s'il peut, etc. Mais puis, il protège le petit Grogu. Mais là, non, non, au contraire, il devrait défoncer tout le monde. C'est Boba Fett.
frites. Tout à fait, mon prédamec. Mon prédamec qui est parmi nous, qui streamera peut-être tout à l'heure. Il n'a pas décidé encore. Mais s'il stream, je vous enverrai chez lui, les petits amis. Je l'aime bien, mon mec. Et il fait toujours des trucs intéressants. Ça sera pas la même ambiance que chez nous. Il joue à The Hunt. Nous, ce soir, on joue à Nobody Save the World. Merci, mon père Founès. C'est gentil pour l'abonnement. C'est cool. Alors, j'ai vu que les autres streamers, ils arrivent à savoir combien de mois vous êtes là. 15 mois consécutifs. Waouh, merci. Merci. Ah voilà, ça s'écrit sur le côté, mais pas sur le truc. J'en apprends tous les jours. Ok. Bah merci, 15 mois. Oh, c'est beau. 15 mois, plus d'un an. Oh là là, c'est beau. C'est beau. En fait, je suis même sûr que ça fait plus que ça. Mais voilà, bon. J'apprends les ficelles de Twitch au fur et à mesure, c'est bien. On est mal barré si Nobody Saves the World. Tout à fait, Kira. Tout à fait, Kaira. Julien ne s'y fera jamais à ton pseudo. Hein. J'ai tout essayé, mais... À chaque fois, ça me fait rire. Je finis par me demander s'il le fait pas exprès, en fait. Mais je crois pas, non, il lit vite fait. Bon, moi, j'ai bien appelé Snakehead pendant longtemps. Chacun son boulet, hein. Donc, voilà. Mais apparemment, moi, je vous présente mes excuses et j'essaie de me rattraper. Mais bon, un jour, ça viendra. Y a pas de souci. Les Kaira cousins, wesh, c'est ça, Reduplombier. Je pense que c'est ça, il doit penser que c'est un pseudo de Kaira, quoi. Et ce qui serait rigolo, en fait. Donc, ouais, pourquoi pas. Kaira, tu vas être obligé de changer. Tiens, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi Kaira. Est-ce que ça fait référence à... Genre un perso de Final Fantasy que je connais pas, ou voilà. Faudrait que tu m'expliques. Ce t-shirt Star Wars, c'est... Ben oui, Lin Chu, regarde-moi ça. Il est superbe. J'adore ces AT, là. Ou TBTT, ça dépend si on le prononce en... Transport blindé tout terrain en français et Armored Transport All Terrain en anglais, donc c'est pas le même sigle en fonction des trucs. Oh, super machin! Super machin! Merci pour le sub, bah, je vais te nominer pour le pseudo en retour, parce que j'adore ce pseudo. Super machin, super machin, c'est pas mal. Alors, pour les nouveaux qui nous rejoignent, oui, c'est la fête chez moi, il y a des cadeaux à gagner en plus. Et vraiment, tout le monde trouve mon t-shirt magnifique. Bah écoute, vraiment, c'est un cadeau des petits amis, donc vraiment, je vous remercie. Merci encore. Moi aussi, donc, je vous fais des cadeaux. J'expliquais. Celui qui fait la meilleure vanne ce soir repart avec... J'essaie de trouver des trucs qui ressemblent un peu à Nobody Save the World, mais évidemment, il n'y a pas de merchandising là-dessus pour le moment. C'est un t-shirt de Square Enix, de Nier Automata. Mais je trouve que le perso ressemble un peu, très vaguement, au perso de Nobody Save the World, le perso de départ, qui est vraiment Nobody, personne. Il n'y a même pas de pantalon, vous allez voir. Icy Eglantine, c'est joli ce pseudo aussi. Merci pour le sub. Donc ça, en plus il se défend, regardez. Quand il tombe au fond, ça change le personnage. Il était pas comme ça au début, il est comme ça. Voilà ce petit perso de Nier Automata. Taille M, j'en ai qu'un, alors j'ai qu'une taille, je suis désolé. En tout cas, truc officiel, je l'ai même pas ouvert, oui, il est encore dans le sachet. Donc ça, c'est pour la meilleure vanne. Et pour le meilleur pseudo, j'ai trouvé un petit nanobloc. Si vous avez un beau pseudo. Donc voilà le nanobloc. J'ai trouvé qu'il ressemblait un petit peu... parce qu'on peut se transformer en souris dans le jeu qu'on va faire ce soir. Et pour le coup, Mewtwo, c'est une souris. Enfin, un Pokémon souris, mais une souris quand même. Et j'ai pas prévenu le dindin, mais on va aussi faire des pronostics sur le nombre de fois où je vais mourir ce soir. Et voilà, ce sera un autre nanobloc pour le nombre de morts. Et voilà, j'ai trouvé qu'il était kawaii. Donc je me suis dit, allez, un petit Evoli, ça fait la blague. Voilà, on dirait un petit chihuahua. Mais trop bien. Voilà, c'est les cadeaux à gagner ce soir. Donc si vous êtes nominé pour la meilleure vanne ou pour le meilleur pseudo, vous rentrez en contact avec l'ami Dindin, qui prendra votre mail et vos coordonnées. Et en fin de soirée, il y aura plusieurs nominés. On votera pour celui qui a fait la meilleure vanne, celui qui avait le meilleur pseudo. Et je vous enverrai les petits cadeaux mercredi prochain, puisque c'est le mercredi que j'envoie les cadeaux depuis chez Game One. Ça m'évite d'aller traîner ma misère à la poste. Comme ça, je suis tranquille. J'ai fait ça de chez Game One, c'est plus cool. Ça m'occupe entre le tournage des Level Wall le matin, je vous racontais un peu mon quotidien la semaine dernière, et le tournage du direct l'après-midi. Voilà, je passe à faire mes petits trucs. Là, j'avais plein de trucs à envoyer. Je crois que j'avais 7 colis à envoyer. Ça m'a pris une partie de l'après-midi. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous faire plaisir. Donc c'est très bien. Bon, bah moi je vois que tout le monde est là, c'est cool. Fessegger est là, bien sûr. Alors Maxou les boulettes, on a changé de... on a changé de pseudo, je vois ça. Oui, ça évite de faire la queue à la poste. Bah oui, bien sûr. Et il n'y a pas de petites économies. Et c'est vrai, Kiba, parce qu'en plus, du coup, c'est Game One qui paye les envois. C'est pas moi qui les paye, du coup. Bon, ça passe. Ça passe, ça va, personne ne m'a jamais rien dit jusqu'ici. Bon, ça fait partie de la grande famille, Game One, moi, Twitch, c'est un peu pareil tout ça. Alors franchement, je t'avoue que c'est pas tellement les sous, c'est vraiment l'idée d'aller à la poste. En plus, à la poste, quand t'envoies un truc, il faut
il faut rentrer manuellement, enfin manuellement sur un clavier épouvantable, le nom, l'adresse, putain ça prend des heures. Alors que chez Game One je remplis à la main, ça va plus vite en fait. Donc je gagne quand même du temps. C'est cher les envois quand même. Oui je pense que c'est pas donné. En plus pour être sûr que vous les ayez, on envoie ça en Colissimo pour que pour être sûr que ça arrive bien à la maison. Il n'y a pas de signature mais il y a quand même un suivi. Ce qui fait que si les trucs se perdent, je le sais. Mais jusqu'ici, je touche du bois, ça n'est pas arrivé encore. Tout est arrivé vraiment bien. Première fois sur le chat de Nonog. Bienvenue Nonog, bienvenue parmi nous mon ami. Bon bah allez, on va jouer. C'est pas le tout, mais on a joué. On a essayé de jouer à Nobody. Enfin, j'ai décidé de jouer à Nobody Saves the World aujourd'hui. Petit jeu qui est sorti cette semaine sur le Xbox Game Pass. Si vous l'avez, ça vaut le coup. Du coup, il est. C'est pas vraiment gratuit, mais enfin, il est inclus dans le Game Pass. Sinon, je pense qu'il vaut dans les 20 euros. C'est les gars qui avaient fait Guacamelee. Vous vous souvenez de Guacamelee ? Ce jeu absolument incroyable avec, avec un catcheur mexicain. Je ne sais pas, avec un catcheur mexicain. C'était un univers complètement barré, très parodique et tout ça. Là, rien que le titre, Nobody Saves the World, ça donne... Ah, bienvenue, Bailey, bienvenue, Aliou, on a des petits nouveaux, c'est cool. Et en plus, il me faut un petit coucou, c'est gentil. Voilà, c'est le même genre que celui de la semaine dernière. C'est aussi barré, je t'avouerai. C'est graphiquement très différent. Aucun jeu ne ressemble à The Procession to Calvary, qui était quand même un truc incroyable. Mais c'est tout aussi barré, donc je pense que ça va être... on va passer une bonne soirée, à mon avis, ça va être top. Je l'ai téléchargé avec le Game Pass, Rainbow Six Extraction. Moi aussi, j'ai le zombie, il va falloir qu'on se fasse des petites parties. Très sympa, R6 Extraction. Ça change de Rainbow Six, mais c'est tout aussi subtil, ça incite à l'infiltration et tout, et c'est vraiment cool, assez punitif. Si vous faites buter dans un niveau, votre perso reste figé dans ce niveau, il est physiquement coincé dans le niveau, il faut prendre un autre perso pour aller le chercher, c'est ce qui est une bonne idée. Ça va éviter les kékés qui vont, qui vont rusher, parce qu'au bout d'une dizaine de rushs, bah, t'as plus de perso en fait, donc tu peux plus jouer. Donc j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Donc c'est bien, ça va écrémer les trolls, et très très bien. Et voilà, c'est très bien, vraiment, il pousse beaucoup à l'infiltration, il pousse beaucoup à changer d'opérateur pour tous les faire monter en niveau. Bref, c'est très malin, et voilà, on le fera peut-être. J'avais pensé à le faire avec vous, mais ça nécessite tellement de concentration que c'est un peu chaud patate. Mais peut-être la semaine prochaine, faut que je m'entraîne encore un peu. C'est le genre de truc, si je sais que si je le fais, je serai pas tellement avec vous sur le chat, je vais être plus sur le jeu, donc voilà, c'est un choix, on va voir. Après, il y a Horizon Forbidden West qui arrive, il y a plein de trucs qui arrivent, Dying Light, plein de trucs sympas, donc merci mon Goldorf pour l'abonnement. Donc voilà, on aura de quoi faire dans les prochaines semaines, je pense. Ben, on va voir, peut-être un peu de R6, si ça vous plaît. Et c'est Alex Kawai qui offre l'abonnement à... Oh, voilà, vous êtes trop mignon, c'est une vraie communauté en fait, c'est un terme qui est quand même très galvaudé, je trouve. Oui, ma communauté, rien du tout, c'est des mecs qui te regardent une fois de temps en temps, ils en ont rien à foutre de toi, ils en ont rien à foutre des autres, c'est pas une communauté. Vous, non, vous êtes là tout le temps, vous connaissez entre vous, vous faites des trucs entre vous, vous faites des nouveaux amis, des rencontres super, j'ai vraiment plein de retours de gens qui me disent « Ah, mais les gens de ta communauté sont trop cool, on se voit sur les salons, etc. » Moi, je vous vois sur les salons, vous voyez entre vous, enfin bon... Bref, c'est le pays des bisounours, c'est chez nous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un peu comme Nobody Saves the World. Allez, on y va. C'est parti, ce soir on bouge Nobody. C'est parti, regardez, hop, petit coup de baguette magique et on va débouler dans ce jeu. Qui peut d'ailleurs se jouer à deux, donc il y a Vlacero qui l'a aussi, je l'ai ajouté en ami tout à l'heure. On pourra jouer tous les deux, je vais commencer tout seul. J'ai pas joué beaucoup, ça avancera... On va avancer quand même, mais voilà, puis peut-être que Vlacero, si tu veux me rejoindre en cours de route, je te lancerai une petite invite. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que ce jeu bizarre? On va voir. Ah, bienvenue, Kazarefrex, encore des pseudos très bizarres. Allez hop, Dark Vandal voulait avoir mon avis sur je sais pas quoi, j'ai pas vu la question. Malgré qu'il est spammé. Donc vous avez vu le petit personnage un peu chelou qui se réveille. Vous vous réveillez dans une petite cabane. Impossible de vous souvenir comment vous avez atterri ici. Voilà. Je peux mettre des petits coups. Bizarre. Je sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il est ternu en fait. J'ai récupéré un peu de pognon. Il y a
Un saut de pisse, je pense que c'est un saut de pisse. Avec des mouches autour, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Il y a vraiment un côté trash, bah, comme Guacamele finalement. Ou comme... ah, comment il s'appelle ce jeu que j'aime pas beaucoup mais qui est ultra culte. Un truc qui se renouvelle à chaque fois. Oh merde, un truc super bizarre, hyper malsain. Mister MV, il adore ça. Oh merde, comment il s'appelle ce jeu? Aidez-moi. ça va me revenir. C'est un nom un peu... Non, pas Don't Star, mais pas loin, pas loin. T'es pas loin. Binding of Isaac, merci Ayami. Tout à fait. Est-ce que c'est Ayami? Est-ce que c'est mon Ayami Michel? Je te fais un bisou au passage. Tiens, on a de la visite. Dites, vous pourriez pas mettre un pantalon? Voilà, ça s'est vu. Vous avez perdu la mémoire en plus. Ça n'explique pas l'absence de pantalon. Mais bon, ça m'arrive d'avoir la tête ailleurs aussi. Nostramagus, et non pas Nostramarcus, c'est pas facile. On aura sûrement une potion à vous donner pour ça. C'est le plus grand magicien de tous les temps, après tout. Où est-ce qu'il vit déjà? Ah oui, juste derrière moi dans le manoir, là, avec son nom marqué dessus, c'est génial. On sent qu'il y a un peu de second degré sur ce genre de jeu. Ne vous inquiétez pas, je ne regarde pas. N'oubliez pas d'aller voir Nostramagus, il vit dans le grand manoir, il pourra vous aider. Ok, très bien. J'aurais pu chasser les papillons. Ah, du pognon. Évidemment, il m'a dit c'est juste derrière, mais j'ai envie d'aller me promener ailleurs. Oh, un pan qui fait la roue. Magnifique. Et du pognon dans les plantes. On est en plein Zelda. D'ici à ce qu'on nous demande de péter des vases pour récupérer du pognon, il n'y a pas loin. Des petits diamants, des rubis. Un puits mystérieux. Ouais, c'est ça, il y a des rubis dans les plantes. Il y a un petit côté Zelda de toute façon. Et il y a un petit côté aléatoire parce que les donjons, visiblement, sont générés aléatoirement. Donc vous n'aurez pas la même chose si vous jouez chez vous que moi. Ah voilà, la maison du légendaire. On peut pas la louper. Ça clignote de partout. Déjà, ça commence très bien. Ça commence très bien. L'argent ne pousse pas dans les arbres qu'il disait. Foutaise, tout à fait, Antoine. Nostramagus a disparu. Qui a bien pu faire une chose pareille? Maître, je vous vengerai. Oh, oh, Randy, le génie. Un mec un peu bizarre. T'es qui, toi? Une nouvelle recrue, j'imagine. Ça te gênerait de mettre un pantalon? Ah, mais tout le monde m'en parle de mon pantalon. Nostramagus, le magicien le plus puissant de tous les temps, a été enlevé. Je suis sûr qu'il m'a laissé un indice. Après tout, je suis Randy le génie, son intrépide et indispensable disciple. Je suis quasiment un maître magicien. Nostramagus ne m'a pas encore permis de passer l'examen final du programme des disciples, mais il disait que il a dit que j'étais prêt. Réfléchis, Randy, réfléchis. Claque des doigts, fais-moi un café, toi. Ah, d'accord. Il m'a pris pour le stagiaire. Macchiato caramel, venti extra shot, avec du lait, moitié crémé, moitié lait de chef des montagnes, 2% de mousse, et que ça saute. Ah ben, c'est très précis. Eh ben, allez, on va lui faire un café. Ah ben, il y a une petite cafetière, là, sur le côté. Et en plus, elle brille pour m'indiquer que c'est là-bas. Oh, mon Dieu. Ça va, c'est pour faire le café, c'est présenté comme une quête incroyable. Oh, mais il y a une baguette magique! Je suis dans le pétrin, prends la baguette et trouve-moi. Il y a une chance que j'ai mon café avant demain. Allez, arrête de lambiner. Allez, baguette magique. Mais attends, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est une scène de crime! Rassure-moi, t'as touché à rien. Est-ce que je lui parle de la baguette? Non ou certainement pas, c'est un abruti. Le choix est assez limité, je vais dire c'est un abruti. Tu ressembles pas au novice, toi. Tu fais donc officiellement partie des suspects. Ah, voilà, un chevalier. Randy, des monstres envahissent le château. Il est recouvert d'un drôle de champignon. Ah bah, comme Rainbow Six. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Tu pourrais pas te décaler un peu sur la droite? Parfait. Oh, je suis tombé dans un... dans une trappe. Il va peut-être y avoir un rancor, comme dans Boba Fett. Alors, j'adore le fanservice, les amis, mais là... Le fanservice livré sur un plateau, parce que le rancor est livré sur un plateau, littéralement, c'est incroyable. Et totalement gratuitement, c'est débile. C'est les Hutt qui essaient de faire tuer Boba Fett. Et en fait, après, ils disent oh, on s'excuse de t'avoir tué. Oh, pour s'excuser, on t'a amené un rancor. L'excuse la plus bidon qu'on ait jamais vue. Je veux bien que le rancor revienne, c'est plutôt cool, mais comme ça, c'est fou, quoi. C'est fou de le ramener comme ça. Surtout que dans le premier épisode, ils jouaient sur le fait que. Le rancor était vraiment mort et qu'il était plus en bas. Donc, des toilettes en piteux état. Et ça, c'est quoi? On dirait que ce cristal sauvegarde ma progression. Bah, c'est très bien, ça m'arrange.
Et j'ai un parchemin de quête. Quête achevée, faire le tour de la cellule. Alors c'est quoi les quêtes? Casser tout, faire le tour de la cellule et inspecter les alentours. Casser tout, c'est déjà fait. J'ai rempli une quête sans vraiment le vouloir. Ah, et même à travers les barreaux, je peux frapper. Je peux pas ouvrir cette porte. Il vous faut 8 étoiles pour l'ouvrir. J'en ai 0. Okay. Bravo, appuie sur ouvrir le menu des quêtes afin de valider les quêtes terminées. Ah, ça y est, j'ai fait toutes les quêtes. C'était pas bien compliqué. Alors, c'était quoi? Inspecter les alentours, c'est fait. Une étoile. Oh, bah ça va aller vite les étoiles si c'est comme ça. Casser tout, c'est fait. Deuxième étoile. Hop. Faire le tour de la cellule, c'est fait. Troisième étoile. Et voilà. Et je débloque. Ah oui, parce qu'on va voir, je crois, 18 personnages différents. J'ai développé la forme du rat. D'où le fait de vous proposer de gagner ce soir Mute, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce petit rat. Vous avez remarqué? Incroyable. Tanoukizen qui dit c'est à l'ému de l'incohérence scénaristique. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oniatazi, tu as changé, tu t'es Judanus. C'était bien dégueulasse. T'as été ban Twitch pour ton pseudo. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, en même temps, Judanus, t'aurais peut-être gagné vu ma proportion à récupérer les. à récompenser les pseudos dégueulasses. Mais c'est pas grave, tu vas en trouver un autre. Alors, mon compensation dévoyée, morsure. Mordez dans la vie et les ennemis à pleines dents. Rend 5 points de mana et inflige 15 points de poison au toucher. Ah, c'est pas mal ça. Et les objets de soins rendent également 8 points de mana. Très bien. Alors, échappez-vous de la cave de Nostradamus, c'est ça la prochaine étoile. Et là-haut, j'ai une compétence passive. Voilà. Et j'ai morsure, ça j'avais déjà, je l'avais déjà tout à l'heure. Très bien. Valider des quêtes est le seul moyen d'obtenir des étoiles, de l'XP et des points de forme. En validant vos quêtes, vous avez obtenu 3 étoiles, vous avez gagné assez de FP pour déverrouiller la forme rat. Je peux changer de physique. Ah bah allons-y. Devenons un rat. Alors, si on te propose, fais ce gars un nouveau pseudo pour toi, Judanus. Extrait de Tosha. C'est bien aussi, c'est classe. Allez, je métamorphose. C'est parti. Oh, ça y est. Et j'ai un petit coup de dent. Donc peut-être qu'avec ses dents, je vais pouvoir... Ah bah déjà, j'ai l'impression que je peux croquer plus loin. Je peux pas grignoter la porte, j'ai pas assez d'étoiles, il faut que je remplisse des quêtes. Je peux pas croquer les toilettes. Ah mais là, il y a un trou de souris, ça tombe très bien. Parfait. Ah, c'est pour être Bruce Willis dans les conduits d'aération. Les champis, on sait pas trop si c'est bon ou mauvais. Hop, là, c'est pas un passage, ça c'est pour se prendre en photo, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est pas sûr, et là je peux aller dans le musée de Nostradamus. Oh, l'ouverture des portes fait quand même beaucoup de bruit. Alors, je regarde des petits messages. Ah mince, merde, le Timerson qui râle, je spoil du Boba Fett, excuse-moi. Ah, excuse-moi, oulala. Ah oui, désolé, je partais du principe que tout le monde m'avait vu, mais c'est vrai que toi, t'as décidé de te réserver jusqu'à la fin. Bah du coup, avec tout ce qu'on dit, je pense que tu vas pas, même pas avoir envie de regarder une fois que ce sera fini. Désolé. Désarmement des toboggans, ouverture des portes, on est parti pour... Le premier donjon, il y a vraiment des sacs poubelles qui puent avec des moucherons. On peut pas m'armer d'une pioche. C'était sympa. Déjà, j'adore l'animation en fait. La façon dont ils se déplacent. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Des sales bêtes. Alors, est-ce que j'ai réussi à les empoisonner? Oui! Regardez, ils sont empoisonnés parce que je les touche pas et ils continuent à perdre des points de vie. Faut les croquer assez longtemps, j'ai l'impression, pour qu'ils commencent à être empoisonnés. Est-ce qu'ils me font des dégâts quand je suis sur eux, là? Ah oui, là, ils perdent la vie au fur et à mesure.
Toi, t'es pas assez empoisonné. Voilà, t'es empoisonné. Quand ils sont violets, c'est qu'ils sont empoisonnés. Parfait. Ah, il y a du pognon dans ces vasques. Il y a du pognon partout. C'est comme dans Zelda. Allons-y. ah oui, alors, le compteur de mort, on n'a pas... On a sponsorisé par Polydent. Bravo, Rédu Plombier. C'est vrai qu'on dira un petit dentier, je suis d'accord. Je vais nominer Rédu Plombier parce que pour cette bonne vanne dès le début, ça commence fort. Donc, n'oublions pas que vous pouvez voter pour le nombre de morts. Vous pouvez laisser un petit message à l'ami Dindin, hein, ou pronostiquer combien de fois je vais mourir ce soir. Et celui ou ceux qui seront le plus proches recevront un petit nanobloc. J'ai prévu Evoli, mais j'en ai d'autres. Ah, il est écœuré, ce pauvre squelette. Lui, il crache des petits missiles. Donc pour le moment, ça va. Je me sors bien. Là, on dirait qu'il y a un sorcier. Ils font pas trop de dégâts, ceux-là, j'ai l'impression. Ils sont assez faciles à empoisonner. Alors que les squelettes sont déjà plus costauds. Ouah. Là, j'ai perdu un peu, là. Fouiller ces caisses pour récupérer de la vie. Voilà, il est empoisonné. Fin est proche. J'adore être trottine. Elle trottine vraiment, cette souris, quoi. Voilà. Oh, du chocolat. Très bien, j'aime déjà ce jeu. Je l'aimais même quand j'ai vu le titre. Ça me suis dit, oh, ça je vais kiffer. Et effectivement, je trouve ça très simple. La légende de la bête du Gévaudan. Mais c'est magnifique, JR le zombie. Très bien cette vanne. On nomine JR le zombie, mon dada. Beaucoup de travail ce soir. Incroyable, incroyable. Et en plus, Dominique Grosscan. Oh putain, on nomine direct Dominique Grosscan pour ce pseudo absolument magnifique. Et merci pour l'abonnement au passage, du coup. C'est trop bien. Merci PNJ, c'est gentil de t'abonner. Vous n'avez plus de quêtes pour votre forme actuelle. Changez de forme et accomplissez des quêtes pour obtenir plus d'étoiles et de XP. Ah, parce que j'ai rempli des quêtes avec ce rat. Très bien. Est-ce que ça ouvre un nouveau... Compétence déverrouillée, dévorer. 30% des dégâts de dévorer sont convertis en points de vie. Oh, c'est bon ça. Temps de recharge 2 secondes et demi, coup de poing, coup 30 points de mana. Je prends. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour l'équiper ou est-ce que ça va comme ça? Alors lui, bah, il faut qu'il s'échappe de là, donc... pour le moment, je peux rien faire avec lui. Régénérer du mana avec morsure. Empoisonner les ennemis avec morsure. Dévorer les ennemis, donc il faut que j'utilise la nouvelle compétence. Et terminer le donjon. Ok, et c'est quoi cette arme? Ok, là ça s'affiche. Tous les trucs que j'ai, ce sera avec X. La morsure qui récupère de la mana. Parfait. Ah, je claque des dents. On dirait des petites castagnettes. Eh ben allez. Allons croquer des gens. Alors. Ah oh, bam, là j'ai fait morsure. Ah, je peux pas le refaire tout de suite, faut que ça se recharge. C'est ça les deux secondes et demie. Ouah. Ah oui, c'est violent. Oh, ça se recharge quand même relativement vite. Et donc je récupère du point de vie à chaque fois que je vais croquer quelqu'un. Mais c'est parfait ça. J'aime beaucoup cette compétence. Allons-y. Ouh, c'est quoi le gros? Attends, j'empoisonne tout le monde mais... Oh, et c'est bloqué le chemin là. Et le gros là. Ouf. Il a l'air bien méchant. Oh, la morsure ça fait mal et ça me récupère des points de vie. Alors là c'est bloqué. Et là il y a un levier. Parfait. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Pour le moment je ne suis pas encore mort. C'est la morsure. C'est ce qu'on va voir. Alors évidemment, comme d'habitude, pour les pronostics, je vous laisse encore quelques minutes. Et vous diriez quoi, à votre avis? J'espère qu'on aura droit à une fameuse imitation de Stéphane Verdun. Je crois que je la fais à chaque stream, Bastos. Il faut que ça s'y prête. Il faut que les décors s'y prêtent. Là, c'est un peu crasseux. Stéphane Bern n'intervient que quand les décors sont un peu plus historiques et épiques.
La morsure du rat inflige l'altération poison. Pour appliquer l'altération poison, mordez un ennemi jusqu'au remplissage de sa jauge de poison. Voilà, c'est ça, c'est quand c'est violet. Les altérations s'appliquent quand leur jauge est pleine. Essayez de terminer vos quêtes en utilisant le poison. Bah, je l'ai fait sans qu'on m'explique, c'était pas mal. C'est comme quoi, c'est assez instinctif. Voilà, plein de gens empoisonnés là-dedans. Ouah, c'est violent la morsure. Ça en croque 12 d'un coup, quoi. C'est une grosse mâchoire. Régénérer du mana avec morsure. Eh ben, parfait. Oula, les pièges maintenant. J'ai toujours été nul à ce genre de trucs dans les jeux de plateforme. Je me prends toujours les haches et tous les trucs qui... Tout ce qui surgit des murs en général, c'est pour ma pomme. Waouh, la vache. Ah non, mais morsure, c'est hyper efficace. Est-ce que je peux mordre un sac poubelle? Apparemment, oui. En même temps, j'ai quand même bien morflé, j'ai plus que la moitié de mes points de vie. Voilà, beaucoup de monde, beaucoup trop de monde là. On va pas non plus trop faire le malin parce que... Oh, morsure, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'ils font eux? Alors, très bien. En plus, morsure me redonne des points de vie, là, mais c'est vraiment l'attaque idéale. Voilà. C'est pas mal, je suis pas mal. Allons-y prudemment, quand même. Ils sont pas très gentils de ce côté-là, les Pokémon. Oui, ça va. Ça va, Makira, au fait. J'ai vu que tu étais un peu malade. J'espère que ça va aller, que tu vas tenir le coup, que ça... ce petit stream va te redonner du courage et des forces. Autant que une morsure me redonne. Alors ne va mordre personne, je suis pas sûr que dans la vraie vie ça fonctionne très bien, mais à moins d'être un vampire comme moi. Merci Aurel Porto, quel joli pseudo. C'est très noble pour le coup, très, très Stéphane Bern. Alors vous avez des quêtes achevées en attente, appuyez... Ah oui, il faut que je regarde pour récupérer des étoiles. Le nom un peu aristocratique comme ça, ça me rappelle une bonne vanne d'Ardisson qui recevait une journaliste de LCI, je crois, ou BFM, qui s'appelle genre Amandine de la Tour du Pin du Chesnay, ou un truc comme ça. Et donc il dit, votre nom, c'est juste le nom ou il y a l'adresse aussi? J'ai trouvé ça génial comme vanne. Alors attendez, voyons ces quêtes. J'ai réussi à régénérer du Vala avec morsure, c'est fait. Une étoile. Est-ce que j'ai validé autre chose? Je n'ai pas empoisonné assez de gens. Et je n'ai pas dévoré assez d'ennemis empoisonnés. Pour avoir droit à ça. Mais ça va venir. C'est Pascal de la Tour du Pin, merci Vlassur. Tu vois. C'est un vrai pangolin ce rat, c'est vrai. On n'a pas envie de le bouffer. Ah, ça sent les vagues d'ennemis. On m'a enfermé dans ce truc là. Ouah! Ça sent la mort surtout. Oh la vache! C'est assez confus. Voilà, j'ai empoisonné des gens. Non, ils sont pas si empoisonnés que ça. Ah si, ça y est. Faut que je croque des gens empoisonnés, hein, je crois que j'avais dit. Ah, c'est bon! Ah bah s'il reste plus que lui... Ah merde, j'ai raté ma morsure. Ah, oh, deux fois que je rate ta morsure. T'es pas mort encore, toi. Ah, à chaque fois, je... Faut... C'est pas le tout de mort, faut mordre dans le bon sens. Ah, un gros, ok. Ouf. Purée, les gros. Les gros, ils y vont. Ils y vont. Allez, gros. Fortissimo. Oh là là. J'ai besoin de récupérer des points de vie, là. Je crois qu'il m'avait demandé de mordre des gens empoisonnés. Oh, putain. Ouah, la vache. Bon, j'ai plus beaucoup de vie.
Mais eux non plus. Oh. Je pense qu'ils attaquent. Voilà, en tourbillon. Si j'attends la fin du tourbillon, ça peut bien se passer. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Hop. Oh, ça y est. Oh, génial, j'ai eu du chocolat et un trésor. Parfait. Quête achevée, terminé le donjon de Nostragamus. Et en plus, j'ai trouvé des jetons d'amélioration, mais ce jeu est parfait. Pour le moment, pas de difficulté majeure. Je vais pas améliorer les choses. Alors, je vais pas améliorer... récupération, les objets de soins... récupération... 12 points de mana, c'est mieux. Mordez dans la ville, les ennemis à pleines dents. Mort sur 2. Ah, ça fait plus de dégâts. Mais il faut 4 jetons, je n'en ai que 3. Ça, je peux pas le débloquer. Et je peux améliorer morsure. Ah, j'adore morsure. Et ça rechargerait plus vite. C'est pas mal, ça. Je vais faire ça. Voilà. Prochaine étape, il faudrait 5 pièces pour améliorer. Ok, très bien. On va tout fouiller. Je ne vais rien laisser. Avec mes petites dents, là, je suis très vorace. Pas trop mal. Un mec qui se bat à poil et qui mord tout ce qui bouge, c'est Pierre Ménès, on t'a démasqué, tout à fait Miguel. Il n'y a pas de vraie ressemblance physique, même si je repasse sur l'autre perso. Pas sûr que... D'ailleurs, ce perso-là n'a pas... À part éternuer, là, il est vraiment souffreteux. À part éternuer, il peut pas faire grand-chose, lui. J'ai bien cliné le donjon parce qu'il y a vraiment plus personne. Allez, j'ai une quête, j'ai pas validé. C'était quoi? Terminer le donjon de Nostragamus, parfait. Alors par contre, je n'ai que 6 étoiles. Il m'en faut 8 pour valider la quête d'après. Pas mal ce petit système de petites quêtes à valider, je trouve. Il y en a plusieurs. Oh merde, c'est quand j'ai dit que j'étais pas doué. Voilà. Je peux même pas jouer de sa baguette magique, Marcus. Non. Je joue selon les règles. Ne triche pas, monsieur. N'utilise pas la magie. La magie, c'est tricher. J'ai vraiment tout nettoyé. Il y a vraiment plus personne là-dedans. Et eux, là, je peux toujours pas leur parler. Ok, allons-y. Dans 5 minutes, il évolue en Ratatac et dans 10, en Luis Suarez. Mais tu ne vas pas mourir ce soir, mensonge! Ah, ma Frenchie, j'aimerais bien, mais c'est pas sûr. J'ai joué un petit peu quand même, mais j'avais joué jusque-là et ça s'était mal passé, c'est-à-dire que je me faisais vraiment buter. Mais c'est parce que j'utilisais pas les capacités du perso. Je bataillais, j'avais pas pensé à upgrader le perso. Là, en l'upgradant, ça va tout seul. Mais en m'entraînant, je suis mort plus d'une fois à cet endroit-là. Je me suis repris à 4-5 fois avant de finir ce truc. Je bourrinais, en fait, au lieu de réfléchir. Ah, faut que je me retransforme en rat, je pense, si je veux repasser cet obstacle-là. Hop! Oh, un coup de baguette magique. Un coup de baguette magique. Hop! Voilà. Hop, je sauvegarde. Mais j'ai toujours que 8 étoiles. Vous n'avez pas assez progressé pour pouvoir ouvrir cette porte. Validez des quêtes achevées pour gagner des niveaux et obtenir plus d'étoiles. Ok, mais... Empoisonner des gens. Ah, faut qu'il y ait des gens empoisonnés. J'ai tué tout le monde bêtement. Je veux bien retourner, mais... Est-ce que si j'y retourne, ils vont respawner? Juste pour venir se faire tuer? C'est pas dans leur intérêt, mais... Mais ça a l'air d'être ça puisque j'avais déjà pété toutes ces caisses et qu'elles ont réapparu. Pas de raison que... Ah voilà, des gens à empoisonner, c'est parfait. Voilà, ça c'est empoisonné. Non, pas encore empoisonné. Si, ça y est, lui il est empoisonné. Il faut que je croque des gens empoisonnés, je crois que ça fait partie des trucs. Il faut que j'empoisonne des gens et que je dévore des gens... Empoisonné. Voilà. Empoisonné. Hop, dévoré.
C'est pas mal. Je vois une des deux jauges de quête qui monte. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Merci Socar, t'abonner, c'est gentil. En plein. Au moment où je réussissais une des quêtes. Incroyable. Quel timing. J'ai empoisonné les ennemis avec morsure. C'est fait. Et maintenant, ladies and gentlemen. Oh, j'ai gagné un niveau. Plus de points de vie, plus de mana, plus de vitesse, plus de physique. Ok, ah je peux pas les augmenter, ça se fait automatiquement. Ok. Je peux pas choisir ce que j'augmente. Dévorer des ennemis empoisonnés. Morder jusqu'à ce que le poison soit totalement inoc. Donc c'est bien ça, faut que j'empoisonne des gens avant de les croquer. Juste les tuer, ça servira pas. Voilà, là ils sont empoisonnés, là je les dévore. Et je vois la jauge qui monte, c'est très bien, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Hop, dévoré. Voilà, ça y est, j'ai fait la quête. J'ai fait la quête dans le métro. Hop. Je suis même pas mort. Étonnant. Continuez quand même à looter. Hein, tant que j'y suis et que ça se passe bien, je touche du bois, mais j'en profite. C'est son parfum. Poison, il est mortel. C'est ça. Je parie qu'il fera zéro mort ce soir. Phénomène du 30. Ah, c'est pas gagné. À mon avis, c'est de plus en plus dur. Et j'ai lu des trucs qui disaient que c'était pas si facile que ça. Donc sans me vanter, même si curieusement cette année je suis un peu on fire, je reconnais depuis le début de l'année, c'est assez mystérieux, mais je gagne les quiz dans Team Game One. Je gagne même les jeux vidéo dans Team Game One. Parce qu'évidemment, il n'y a plus de cosplay de la honte. D'habitude, je perdais, il y avait le cosplay de la honte. C'est à croire que j'en avais envie, quoi. Donc du coup, c'est très bizarre. Depuis le début de l'année, j'ai plutôt gagné que perdu par rapport à d'habitude. Alors, si je valide ça, est-ce que j'ai 8 étoiles? Oui. Donc je peux retourner là-bas. Bim. Oh, ça débloque le garde. Quel bel homme. Coup d'épée, un coup de taille porté avec une épée rend 5 points de mana. Ça m'arrange. Compétence passive, bravade. Sous 30% du maximum de points de vie, 20% des dégâts d'attaque sont infligés sous la forme d'une attaque tranchante supplémentaire. Oh là là. On dirait le protocole pour le coronavirus. Attendez, je ne comprends rien. On dirait un truc dans Final Fantasy. Je vais acheter ça, ça coûte la peau des fesses, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Sous 30% du maximum de points de vie, 20% des dégâts d'attaque sont infligés sous la forme d'une attaque tranchante. Ah, ça veut dire que quand il me reste moins de 30% de mes points de vie, il y a 20% des attaques qui sont des attaques tranchantes. Donc j'imagine plus puissantes. Ok. Oh, je déclenche aussi la rôdeuse. J'ai vu, il y a une culturiste au-dessus. La rôdeuse, le ranger. Compétence verrouillée, flèche chargée. Maintenez A pour augmenter les dégâts, la portée et la pénétration. Tu vis un peu aux soirées. Rend plus 4 points de mana au toucher. On va envie de rajouter rectal, mais il y a peut-être des enfants qui regardent, donc c'est pas le moment. Mais c'est trop tard. Compétence passive, oh mon dieu, c'est la fête du slip. Déverrouiller, enduit de poison. Enduit de poison. Toutes vos attaques infligent 16 points de poison. Oh, c'est bon ça. C'est bien la rôdeuse. Très bien. Le rat, oh, on peut mordre encore plus d'ennemis. Ok, donc je pourrais revenir avec le rat, faire des quêtes pour le rat. ça c'est la carte, mais pour le moment ça sert à rien. Carte, ok. Quand les boules auront des dents. Vous avez 8 étoiles, vous pouvez ouvrir la porte des étoiles, la Stargate, on y va. C'est mignon ce jeu, c'est mignon, c'est rigolo. C'est pas mal au niveau du gameplay, je trouve ça cool. Plus fun que Binding of Isaac, je comprends pas la hype sur ce jeu. J'ai peut-être pas assez joué, mais le peu que j'ai fait, je sais pas, je trouve ça assez moche. Un peu facile le côté émo, le côté tristounet, un peu à la Tim Burton, des personnages torturés, tout ça. Donc ça m'a pas emballé ce truc là, mais je vois tellement de gens qui kiffent, des gens de bon goût, comme Mr. MV par exemple. Donc du coup ça doit être bien forcément, mais je suis vraiment passé à côté. Là je passe pas à côté, je me régale. J'espère que vous aussi.
Content d'avoir choisi ce jeu pour ce soir. Alors, est-ce que je peux ouvrir la porte? Mais oui. Excellent. Chacun ses goûts. Après, on peut pas tout aimer. Tout à fait. Le phénomène du 30 000. Exactement. Je suis ready, Marcus, quand tu veux, Divla Cero. Bah écoute, je vais continuer encore un peu tout seul. Je vais sauvegarder là, quand même. Voilà, est-ce que Vlacero, t'auras accès à mes persos? Est-ce que t'as assez avancé dans le jeu? On va découvrir ça. Je vais continuer un peu. Parce que si tu viens, est-ce que tu compteras dans le nombre de morts? Ça faut qu'on vous compose les règles dès maintenant. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, je propose qu'on verrouille les votes, si ce n'est déjà fait. Je pense que le dindin vous a déjà prévenu. Normalement, voilà, les votes sont clos pour ce soir. Skipper dans Isaac, c'est la mythutique des synergies entre les différents objets du jeu qui changent le gameplay à chaque partie et lui donne donc une rejouabilité infinie. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai... Comment dire? J'étais pas assez attentif, en fait, pour vraiment m'attacher aux objets, à ce qu'ils pouvaient faire, etc. Alors, je peux plus faire de café. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici, à part croquer 2-3 trucs. Donc, je vais ressortir. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien indiqué chez lui. Il y a des rayons de soleil. Halte là, cette zone est en quarantaine. Oh, merde, la réalité nous rattrape, les amis. Il faut un masque, c'est ça? Nous attendons l'arrivée d'une rôdeuse. Nous avons un message à lui confier. Personne d'autre n'est autorisé à passer. Eh ben, ça tombe bien, j'ai une rôdeuse. Je vais peut-être me cacher pour me déguiser. Est-ce que c'est vraiment un déguisement? Ah, mais j'ai déverrouillé ça? Mais oui, puisque j'ai sorti cette quête. Alors, les persos, ils sont là. La rôdeuse, elle est là. Le garder là. Ok, donc moi, rôdeuse. Pour le moment, ça... L'œuf, je peux me déguiser en œuf. Ah, j'ai pris le chevalier. Ah, maintenant ils sont dans ma roue, très bien. Ah, voilà la rôdeuse. Bonjour, je peux passer maintenant? Nous attendions l'arrivée d'une rôdeuse, nous avons un message à lui confier. J'imagine que vous êtes la rôdeuse qu'on attendait. Vous pourriez transmettre un message important à Rondi? Ah oui, c'est l'assistant. Il est parti il y a peu pour le château qui se trouve au nord. Voilà le message. On n'a plus de lait de chèvre des montagnes pour le café. Est-ce qu'on peut utiliser du lait de chèvre normal à la place? Ça, c'est une quête intéressante. Ah oui, elle a des petites flèches. Sympa. On va pas tirer sur les gardes, ce serait ballot. On peut encore leur parler. Vous pourrez pas revenir plus tard, c'est l'heure de la pause, là. Si on prend pas de pause, on pourra pas faire notre boulot efficacement. J'aime bien, ça vaut le coup sur le coup de parler au personnage dans ce genre de jeu. Si elle boit trop de bière, elle devient la rôte. Bravo. On va nominer Wikipédia pour cette bonne vanne sur la rôdeuse. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, un petit squelette. Oh, comme tout à l'heure. Est-ce que je peux... Alors, ils ont dit que si je maintenais appuyé... J'ai flèche normale, les flèches chargées, ça marche. Et je peux verrouiller ma direction. Ouh, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire... Ah oui, je peux choisir de tirer toujours du même côté. Donc, je peux par exemple tirer en marche arrière. Ok. Hop, hop, hop. Ah bah, c'est l'occasion. Ah oui, le tir chargé est mieux, effectivement. Ah ouais, puis ils sont empoisonnés aussi. Très bien, elle a des flèches empoisonnées, c'est bien. Alors, allons-y. La rôdeuse polie les bijoux de fée. Allons-y. C'est joli en plus ces petits trucs. Qu'est-ce que c'est que cette luciole? Salut le mi-portion, tu pourrais pas résister à ce que j'ai pour toi. Ça sent tellement le vendeur un peu pourrave. Et voilà, j'ai légèrement augmenté ton mana. Oh merci Roselino. C'est Rosine Bachelot, c'est le concentré un petit peu. Je suis loin d'être la seule fée de ce monde, essaye de trouver mes camarades. Ah, très bien. Alors les manas, j'ai pas compris la mana. Ah bah c'est ce que j'utilise pour... Par exemple, tirer, m'utilise de la mana, si j'ai bien compris. Enfin, logiquement, c'est pour les sorts, mais... Est-ce qu'une flèche, c'est considéré comme un sort? Ouh.
l'impression que quand ils sont empoisonnés et qu'ils explosent, ils font des dégâts aux autres à côté d'eux. Ah, j'ai rempli une nouvelle quête, sans même le vouloir. Maintenez A pour toucher les ennemis avec des flèches chargées. Voilà, parfait. Bim. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse d'autre ? Empoisonner des ennemis, je suis bien parti. Toucher plusieurs ennemis d'un coup avec une flèche chargée. Oh, c'est très bien. Trouver des faits de mana, ça c'est fait. Ah, il faut 5, j'en ai trouvé qu'une. Oh, pétard la luciole Clodo. Tout à fait, Dark Mimolette. Là, un petit côté Clodo, je suis d'accord. Voire même vendeur de crack, quoi. Vraiment, il manque des dents, quoi. Voilà, j'ai mis du temps à garder mon comment dire, la direction, c'est pas évident. Hop, j'esquive, on est à échange de tir très courtois. Très poli, du gentleman, limite la guerre en dentelle, tout le monde arrive, avance rang par rang. C'est la fée palétonnée. C'est le nom de la fée, ok. Après la roqueuse de diamants, la rôdeuse de diamants. Catherine Lara, bon sang, c'est vraiment... Vous me faites rire, vous avez les mêmes références que moi. Tout à l'heure, j'ai fait une vanne juste pour annoncer le stream, j'ai dit on va se risquer sur du bizarre, et il y en a un qui a mis une photo des tontons flingueurs. C'est effectivement la formule vient des tontons flingueurs, quand ils sont dans la cuisine et que il reste plus d'alcool, et Maître Folas dit... Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre, et il sort une bouteille. Elle date du temps du Mexicain, du temps des grandes heures. Elle a décimé des pans de. Des régiments de panzers entiers avec ça. Non, d'un tube à essai, je suis sidéré par les données de ce fluxomètre. Qu'est-ce que c'est que cette scientifique à qui manque des dents? Oh mon dieu, une momie qui marmonne. C'est pas bon du tout. Si la calamité continue à gagner en puissance, elle finira par tout infecter, ce sera la fin. La fin du. Ça fait longtemps que t'es là, toi. Je suis Octavia, la sorcière, et elle, c'est la momie. C'est un peu Kenny. On fait des recherches sur le terrain, et toi? Mon fluxomètre détecte des traces de calamité sur toi. Tu fais partie des guerriers ou autre chose? Attends, me dis pas que tu es avec ce blaireau de Randy? Ouais, c'est ça, tout le monde, personne ne l'aime. Non, plutôt mourir, vraiment, les choix sont pas fous. Tant mieux, je peux pas le blairer, ce blaireau. D'après mes données, les monstres protègent les fragments de gemmes. Il y a bien longtemps, la gemme a permis de bannir la calamité. Mais elle est bien de retour. Nostra Magus et les autres magiciens vont avoir besoin de ces fragments. Ah, bien sûr, dans tous les jeux, il faut trouver des fragments de cristaux. Il y a des fragments dans le château. Eh ben, on va y aller. Coup en étoile 15, niveau normal. Ok. Moi, ah non, non, c'est hors de question que j'y aille. C'est bien trop dangereux. Alors, tu es d'accord? Je crois qu'on m'a pas trop demandé mon avis, mais... Essayez de trouver le premier fragment de gemme dans le château au nord d'ici. Est-ce que je peux parler à la momie? Quoi, ce monstre bizarre qui est au sol? J'aimerais bien voir le chevalier, j'ai pas regardé encore. Parce que lui aussi, il peut empoisonner des trucs, il peut manger du chocolat. Est-ce qu'il y a des quêtes à faire, le chevalier? Mais oui! Taillader des ennemis, c'est parfait, ça me va. Ah, au fait, oh, ouais, en fait, quand je change de perso, il change les quêtes que je peux utiliser. J'ai validé la quête de lui, je sais même plus ce que c'était. Allons-y. Cette maison est fermée pour le moment. Agréable. Momie, soit qui va. Oh, il pense, merci, Fessega, pour cette très belle réplique. Alors, c'est pas le moment d'aller se baigner, surtout en armure, c'est pas une très bonne idée. Bosquet du roi. Ah, costaud le chevalier. Par contre, corps à corps, c'est pas une bonne idée avec ces gros là. Je sens que ça va monter un peu vite, je voudrais aller voir en bas d'abord. Est-ce que c'est un cul-de-sac par là ou quoi? Hein? Une petite grotte mystérieuse? Ah non, un coffre! Oh, comment j'ai bien fait!
La curiosité est un vélin d'info qui disait, ben pas du tout. Pas du tout, j'ai bien fait. On remonte. Oh, Audrey Studio, salut. Ça va? Mon photographe officiel, les amis, vous le savez. Enfin, c'est Joyce, ma photographe officielle sur les salons, mais... Photographe, comment dire... qui fait des super photos retrafiquées derrière pour aller dans la geekerie à fond et qui illustre pas mal d'articles et d'affiches de salon pour le coup. C'est Dri Studio. Je vous le recommande et vous fait des super trucs. Si vous êtes geek, vous avez un cosplay, vous allez le voir et vous met en scène dans votre univers. C'est juste génial ce qu'il fait. Donc bienvenue. Content de te retrouver. J'avais encore jamais vu de monstre pareil. J'espère que Nostramagus ne va pas tarder. En attendant, mes lapins me protégeront. Je n'ai jamais... Ok. Lui est protégé par des lapins. Je me demande, est-ce que j'ai buté un de ces lapins sans... Je bute son mobilier, mais... Non, je peux pas buter des lapins quand même. Non, ils sont trop mignons. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce gros tas de choses? C'est pas la première fois que vous promenez votre bourse bien garnie par ici. Vous êtes décidément quelqu'un de fort intrigant. Oui, vous sortez de l'ordinaire et vous roulez sur l'or. Je devrais pouvoir vous aider à faire bon usage de votre... Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Si vous gagnez plus de 500 euros par mois... J'en peux plus de ces pubs sur YouTube, c'est insupportable. Appelez-moi le marchand. Welcome, stranger. Mais vous pouvez m'acheter assez de bricoles. Vous pouvez m'appeler mon lapin si vous m'achetez assez de bricoles. Oh, la gueule du marchand. Alors, je peux acheter des baguettes magiques. Pour 500, j'ai combien d'argent? 1020 dans mon cochon. Ah, j'avais pas vu que c'était une tirelire. Un petit cochon, l'endroit où il y a mes sous, c'est génial. C'est génial. Ce jeu est plein de bugs. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de petits insectes. Qu'est-ce que c'est? Attaque physique, ça augmente tes attaques physiques, c'est pas mal. Défense physique, c'est pas mal. Attaque magique, oh, je peux faire beaucoup de choses. Quête infinie, tuer des ennemis. Une fois achetée, cette quête vous appartiendra définitivement. Recommencez là encore et encore pour gagner toujours plus d'XP. C'est tentant. Un sac de jetons d'amélioration. 5 jetons d'amélioration. Ah, ça, c'est pas mal. Mais 1000, c'est cher. Mais je peux booster plein de gens tout de suite. Ça vaut le coup, non? On fait ça? On fait ça. C'est cher, mais... La gueule du... C'est vrai que c'est mince, c'est trop bien. Eh ben voilà, j'ai des jetons d'amélioration plein ma musette. Ne vous faites pas tuer. Surtout parce que je suis un bon client, en fait, c'est ça. Je vais pas me faire tuer, je vais même sauvegarder, regarde. Ah, une petite fille qui voulait me parler. Vous n'aurez pas pu choisir pire moment pour venir. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Où sont mes jetons d'amélioration? Ah, voilà. J'ai acheté 5 jetons. C'est ça, j'en ai 6 maintenant. Alors, est-ce que je peux acheter bravade? 1, bravade 2. Ah, mais c'est par perso. Non, c'est chacun des persos à ces trucs. Je peux augmenter la flèche chargée 2. C'est pas mal. Ça coûte cher quand même. Et je peux pas déverrouiller. Je sais pas trop comment on déverrouille. C'était quoi ça? Clac! Une petite gifle de rien du tout. Rend 5 points de mana au tout. Ouch. C'est bizarre. Ah, c'est pour mon petit perso de base. Ah oui, ok. En bas, on voit à quel perso ça s'applique, ces histoires. Ok. Et ben... Qu'est-ce que vous ferait plaisir, j'avais... Marcus, si le bris est bien coulant, le bricololo. Ok. alors, j'aime bien l'idée des flèches chargées. C'est pas mal, mais 4, c'est cher quand même. Alors, je fais 3 et 3. J'enduis les flèches de poison. Et j'augmente ça aussi. Les objets de soins également. Voilà. Ça, je peux pas augmenter ça. Non, c'est bloqué pour le moment. Je suis pas obligé de tout dépenser en même temps. Mordez dans la vie à pleines dents. En 6 points de mana. Et un flèche. Ah, c'est pas mal. Les morsures, c'est... Je peux pas. Ah, oh, j'hésite. Bon, la flèche, ça me fait envie, cette flèche. Ah, mais j'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit d'augmenter les deux, là?
Parce que j'ai peut-être pas pris le perso. Faut que peut-être j'ai le perso en main pour pouvoir augmenter ces trucs. C'est ça ? Est-ce que je comprends bien ce jeu ? Non, là j'ai la voleuse. Pourquoi j'ai pas le droit de... Pourquoi n'ai-je pas le droit d'utiliser ça ? Salut Triton. Pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser ça ? Il me met pas de message d'erreur. Elle est en rouge et clignote en rouge. Je ne sais pas pourquoi. Tu as une classe. Tu veux dire j'ai la classe ou... Pour le moment je peux augmenter que ça. Et moi j'aurais voulu augmenter... Ah faut peut-être qu'ils aient atteint un certain niveau. C'est-à-dire que lui là il est niveau 1. Et les autres peut-être pas encore. Donc faut que j'attende qu'il monte de niveau peut-être. Ouais, c'est ça. Elle a un F sur la tête. Et donc le F, c'est le niveau de chaque perso, je pense. Attends, on va voir. Elle, elle est F. Lui, il est C. Lui, il est D. F, c'est une sale note, hein, je crois, dans la notation anglaise. Donc pour le moment, je peux améliorer que les persos qui sont... Ouais, je pense que c'est une question de niveau. Je vais le garder. Dans la roulette, tu vois le niveau. Ah oui. Ben ouais, ah le niveau c'est CDF, DC. Bon, ok, bon. Gardons la rôdeuse, on va essayer de l'améliorer. Ici un petit puits, je sais pas si ça a grand chose. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe, vous devriez faire un tour du côté de la mine chevaline au nord-est. Ils ont des chevaux et c'est une mine. Vous cherchez toujours des bons panoramas? Il y a bien la tour de l'expiation à l'ouest. Mais je vous déconseille d'y aller, à moins que vous ayez quelque chose à expier. Nord-est, la mine chevaline. Ok. Je veux bien, on va voir ce qu'il y a dans ces maisons. Randy est mon idole. Un jour, j'espère devenir un héros comme lui. Oh, le mec... Le mec zozote un peu. Oh bah, eux, ils adorent... Ils adorent Randy. Ok, c'est des fans de Randy. Ici, c'est un truc qui a l'air fermé. La guide des chevaliers est partie à la chasse aux dragons. Gravez votre message directement sur la porte et revenez plus tard. Ok. Ça, qu'est-ce que ça ? Fulgurant transport par portail. Ah, d'accord, je peux... Je pourrais revenir plus rapidement à un endroit. Est-ce que j'ai bien sauvegardé ? Oui, c'est bon. Allons-y. La DA est cool, ouais, Dominique Grosscan, on est d'accord. Aussi cool que ton pseudo. C'est drôle, j'avais pas percuté tout de suite. Ah, le roi! Ah, mon cher étrange sujet! Des monstres horribles ont envahi ma demeure. Qu'est donc un roi sans château, je vous le demande. Rien d'autre qu'un élégant paltoquet. M'accorderez-vous votre aide? Je vous l'ordonne, de toute façon. Vous savez comment fonctionnent les portes des étoiles? Ouais, j'ai compris, vaguement. Eh ben, moi non plus. On croit Randy. Il est possible de récupérer des étoiles en explorant les donjons, en accomplissant des quêtes. Je me permets de marquer l'emplacement des donjons les plus proches sur votre carte. La tour de l'expiation. La mine chevaline. J'avoue que ça m'intrigue. La mine chevaline. L'aventure vous attend. Allez, transmettez mes situations à ces monstres en leur mettant un bon coup de pied dans le crâne. Parfait. D'habitude, c'est le grand magicien d'Astronomie qui s'occupe des monstres pour moi. Je me demande bien où il est passé. C'est un ami à moi. Je suis plutôt cool, ça. Ok. Ah oui, il faut 15 étoiles pour rentrer là-dedans. Bah, je suis pas prêt à les avoir. Allons à la mine chevaline, on est d'accord. Tant que tu pars pas sur des goa'uls, qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien. Alors, est-ce que ce serait là nord-est, vraisemblablement. Voilà, des petits tirs chargés, ce qui empoisonne bien. Oh, j'en ai dans le dos aussi. Tiens, un portail s'est ouvert. Est-ce que c'était une bonne chose, ce portail? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que c'est que ce truc, cette chauve-souris? Ah, mais je pense que c'est des attaques, en fait. Ok, j'ai compris. C'est des boules de feu. Genre, elle envoie des boules de feu à cet endroit. Tiens, te voilà bien empoisonné, vilaine chauve-souris. Ok, je savais pas si c'était un portail qui s'était ouvert. Genre, c'est cool pour moi, ou au contraire, c'était un truc pas cool du tout. Bon, là-bas, c'est fermé. Est-ce que je pourrais... Non, je peux même pas leur envoyer des flèches.
Lâchement. Il doit y avoir un levier quelque part. Je suis sûr qu'il y a un levier planqué quelque part. Du chocolat. Chaque fois que je vois du chocolat, je vais avoir cette réflexion. Ça sent le levier planqué quelque part dans les buissons quand même. Bon, je reviendrai. L'argent. Prenons l'argent parce que quand même... Un cheval. J'ai vu le cheval à l'entrée. D'abord à prendre. Ah, je suis trop grosse pour passer dans. Je rentre pas dans une taille 38. Il faut que je remonte. Voilà. Oh, des carottes géantes. Vous apercevez un cheval à gare. En voyant, il se précipite dans les mines. Ah, la gueule de la mine chevaline, c'est génial. C'est génial, on dirait une boucherie chevaline. Toujours le marchand. Bon, là, j'ai plus beaucoup d'argent. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bah, j'ai sauvegardé ma progression. Est-ce que je pourrais sauvegarder? Non, ok. Deuxième. Allez, on va peut-être rentrer dans la mine chevaline ou on va inviter le Vlacero, tiens. J'ai peur d'y rentrer tout seul dans cette mine chevaline qui est un peu étrange. Donc, je pense que pour inviter un ami, il faut lancer un jeu en ligne, créer une partie. Donc ça, c'était... Voilà, je relance. Et on va voir, Vlacero, j'espère que t'es prêt, je te tombe dessus comme ça sans prévenir. Ça tombe comme ça, comme une merde sur une planche. On n'avait rien vu venir. Inviter un joueur. Allons-y. Je vois que le Vlacero est là. Et il est dans Nobody Saves the World. La vie est bien faite. Envoyer une invitation. C'est fait. Ah, je l'ai vu apparaître. Je l'ai vu apparaître, ce qui était plutôt bien. Mais il a disparu. Je recommence. Ah, alors voilà. Synchronisation. Synchronisation des montres. Monsieur Randall, Monsieur Lewis. Synchronisation. Et bah voilà. Commencer une partie. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, c'est la première fois qu'on tente un truc à deux. On va voir. Je pense que Vlacero est prêt depuis une heure, dit Sevmeister, tout à fait. Il est là! Il est tout, il est nu, mais Vlacero met un pantalon. on n'a pas du tout réglé le chat et tout ça, on va peut-être pas le faire. Pourquoi il dit au revoir? Ah oui. Bon, mon Vlacero, je pense que tu m'entends, de toute façon, au moins toi tu m'entends. Donc on va y arriver. J'ai un peu la flemme de régler le chat. Autant c'est le faire sur PlayStation, autant là, je n'ai jamais essayé. Donc toi, t'as le perso de départ. Est-ce que tu peux changer? Oui, visiblement, là, c'est pas moi qui manipule. Ah, deux rôdeuses, bah très bien. Ah, et t'as pris chevalier. D'accord. Oh, mais c'est peut-être tes persos à toi, parce que t'es arrivé nu comme un ver, mais peut-être que au final, t'avais déjà débloqué des persos. On va voir ça. Bon, c'est cool en tout cas. Facile de rejoindre quelqu'un. C'est plutôt bien. Et on va aller explorer ensemble tout ça. Tranquillou. Moi, j'ai des quêtes à faire avec la rôdeuse. J'ai des quêtes à faire avec le rat. Il a encore changé. Depuis l'avènement de la cavité, ces donjons n'arrêtent pas de changer. Dès que j'en sors, j'en verrai jamais le bout si les murs bougent tout le temps. Ouais, donc c'est ça. C'est procédural. Une minute, si les donjons changent dès que je sors, qu'est-ce qui va m'arriver quand vous sortirez? Et oui, il flippe pour son avis. Ah, une botte de paille. Est-ce qu'il y a Assassin's Creed dedans? Non, visiblement. Ezio est sorti ailleurs. Je sais pas, je vais voir par là. Non, là, c'est un cul-de-sac. C'est bien, c'est plus rassurant d'être à deux là-dedans. Écoutez, moi, je trouvais déjà ça sympa tout seul. Mais alors, à deux, encore mieux. Si on peut faire ça à deux. Ah, je fais une quête pour ma rôdeuse, c'est très bien. Oh, bravo. Oh, attention, il reste la chauve-souris qui balance des trucs bizarres. Ah, par contre, on peut pas tirer en diagonale, j'ai l'impression. J'arrive pas à trouver la diagonale. Non, y a pas de diagonale. Très bien, allons-y. Alors, j'ai validé une quête. Alors, attends, je vais... Voilà, ça, c'est validé. Du coup, je monte d'un niveau. Oh là là, mais la vie est belle, les amis. À deux, c'est toujours mieux que tout seul, c'est vrai.
C'est vrai. C'est tout ce que j'ai validé. Terminé Donjon de la Mine Chevalier, on vient de commencer. Pas aller plus vite que la musique, mais... Attention, voilà une... Alors j'espère que pendant ce temps-là, il se passait pas des trucs horribles pour Vlacero, pendant que j'étais dans les menus. Voilà. Est-ce qu'il met plus de monstres quand on est deux que quand on est tout seul? Ah, comme tu veux, en haut, en bas. Ouh. Attention, il y a encore une chauve-souris maudite pas loin. Je pense qu'elle est là. Elle est là! Près de son jacuzzi, c'est une youtubeuse maudite. Elle a son hot tub juste à côté. Ah, un petit trésor. Ah, viens, on partage. Je te laisse le petit billet. Voilà. Parfait. Ah! Maudit squelette! Ah, toi, tu t'es transformé en rôdeuse aussi. Tu préfères le combat à distance. Viens, on va dans le jacuzzi toutes les deux. Ah, j'ai dégommé. Est-ce qu'on peut casser ces portes? Est-ce qu'il y a un perso qui peut casser les portes? Genre le chevalier, peut-être? Visiblement, non. Faut pas non plus dégommer les carottes. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne sur nos pas. Donc, me voilà transformé en chevalier, du coup. Changer de perso un peu. Ah oui, regarde, là, il y avait un petit escalier qu'on n'a pas pris tout à l'heure. Ah oui, mon chevalier aussi, lui, a bien augmenté. Voilà. Oh, encore un coffre. Oh, il y avait du chocolat, j'ai tout pris. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, je crois qu'il y a une petite porte là-haut. Ah non, c'est fermé. Ah ah! Alors, est-ce qu'on peut... On va aller par là-bas. Et on n'est pas encore mort, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Qu'est-ce que c'est que ce gros homard? C'est vrai, mais je... Non, mais vraiment, l'année commence bizarrement. Mais je crois que ça avait fini bizarrement, j'étais déjà pas beaucoup mort les dernières fois. Même moi j'ai été surpris. Faudrait pas que je fasse des paris en ligne parce que... J'arrive à me surprendre moi-même donc... Alors qu'est-ce que c'est? C'est un escalier qui descend au deuxième sous-sol. On va aller voir. Pas mal, j'aime bien, c'est mignon, c'est un peu du Diablo mignonnet à deux, mais en plus rigolo, beaucoup d'humour. Donc ça sent les pics. Voilà, qui vont se refermer derrière nous. Ah, ça y est les amis, on va peut-être commencer à mourir un petit peu. Je sais pas d'ailleurs si on a un personnage qui meurt, est-ce qu'on peut prendre les autres pour continuer? Ou est-ce que ça marche pas? Défoncé. Mais c'est moi ou le cheval a eu un regard mauvais? Je vais t'aider sur cette chauve-souris là. Voilà, ouais, beaucoup trop de monde pour nous. On est que deux quand même, mais ils ont envoyé beaucoup beaucoup de monde. En fait, les chauves-souris ne se défendent pas, elles sont contentes d'envoyer leurs trucs. Ah, ça a ouvert à droite, mais je voulais juste voir à gauche. C'est parce que j'ai l'esprit de contradiction. Alors, regarde-moi ce gros coffre. Comment j'ai eu raison encore? Parfait. Allez, Vlacero, je te laisse ouvrir. C'est moi qui ai ouvert tous les doutes surprises. Oh, génial! J'espère que ça se partage naturellement. On n'est pas obligé de se battre pour les trucs. Oh, attends, j'ai déverrouillé deux quêtes, alors j'en profite. Oh, le chevalier, ça a bien tailladé. Ça a bien validé. Ouais, ça pourrait peut-être même déverrouiller quelqu'un. Oh, le piétinement. Repoussez vos adversaires avec vos plus belles bottes. C'est très bien. Et j'ai récupéré ça aussi. Ok. Piétinement, ça se fait avec croix. Ok. J'ai peut-être repassé sur la rôdeuse. Pour la faire un peu monter de niveau.
voir ce qu'elle a comme quête à faire. Ouais, 19 sur 20, flèche chargée, on y est presque. Et empoisonner des ennemis. Je vais faire ça pour elle, ça va la faire grimper un peu de niveau. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Passer d'un perso à l'autre. Désolé mon Vlacero, je te fais patienter. On peut se mettre en vocal en mettant en groupe si tu veux, Marcus. Oui, oh, je sais même plus comment on fait. Si tu peux lancer le vocal et m'inviter dedans, ça m'intéresse. Sinon, j'aurais pas trop perdre de temps à régler les trucs techniques. Elle est où cette chauve-souris maudite qui se permet de nous envoyer des... Voilà, ça y est, ça l'a bien calmé. Ouf, je pense que c'était la chef des chauves-souris. Là, visiblement, vu ce qu'elle a fait... Ah, c'est rebouge pas, je pense qu'il est en train de préparer le chat vocal. Et moi, pendant ça, là, je loot, évidemment, comme un gros porc. J'ai honte. Ah, encore de la chauve-souris. Ah, petit coffio. Voilà. Oh, il y avait un jeton, là. J'ai récupéré un jeton de présence, là. Ça, c'est bien. Oh, attention, il y a du monde, là. Voilà, j'empoisonne tant que je peux. Attention, une autre chauve-souris. Ah, il s'est transformé en rat. Très bien. Excellente initiative. Descendu là, je suis pas sûr qu'il fallait descendre, mais bon, voilà. En plus, ça sent et les trucs, je pense qu'on doit pouvoir les ouvrir plus tard. Ça doit être possible. J'ai oublié la cuisse de poulet. Ah, désolé. Légumeman vous salue. Bienvenue, Légumeman. Quel beau pseudo aussi, je te... Alors, je ne vois pas. Je vois pas Légumeman dans le chat, sinon je l'aurais. Nominé bien sûr. C'est Kraosa qui dit Légumeman vous salue, mais je ne vois pas Légumeman. Si Légumeman est là, je veux bien le nominer mon dindin. Je vois pas pour le moment, mais peut-être j'ai pas tout vu. Ah, une quête de fête. Parfait. Du coup la rôdeuse va peut-être monter d'un niveau elle aussi. Mais oui. Volée de flèches. Oh, c'est bon ça. Et je suis pas loin, faut que je continue à empoisonner des ennemis. Et je continue à faire de la flèche chargée. Ok, très bien. Et c'est cette touche-là. Ah oui, pas mal la volée de flèche. Oh, c'est trop mignon avec être accompagné par une petite souris. C'est trop bien. Il y a un portail là-haut, mais je propose qu'on n'y aille pas tout de suite. Tu veux du chocolat? Allez, je prends. Dès que c'est du chocolat, je prends. Boba Fett, ce qui vous plaît. Oh là là, putain. Ah oui, alors ça y est, on est là. Ok, c'est parti pour un dernier, comment dire. Des vagues d'ennemis, quoi. Et la chauve-souris qui est en train de nous tartiner de l'intérieur de son truc, là. Pas la laisser faire, voilà. Ouh, 3 crânes, c'est beaucoup 3 crânes. Ouh, commence à être mal, maraudeuse. Elle commence à être mal. Attends, faut que je continue à empoisonner des gens avec elle. Alors. Pas mal, c'est pas mal. Enfin, heureusement qu'on est deux, parce que tout ça, je pense que je galérerai un peu plus. Oh, je suis à l'article de la mort. Il faut que... Je vais prendre le rat, puisque le rat récupère des points de vie avec sa morsure. Ah merde. En fait, c'est le même point de vie pour tout le monde. Ok. Voilà, là je récupère des points de vie. Oh mon dieu, je suis mort. Peut-être que Vlacero, je ne suis plus qu'une flaque. Je ne suis plus que... Ah non, ça fait une mort les amis. Mais Vlacero m'a ressuscité, impeccable. Comme quoi, on a bien fait de jouer à deux. Je sentais venir les ennuis, j'ai bien fait. Aïe, on ira bout de cette chauve-souris. Oh, génial. Une mort, les amis. Eh oui, donc le zéro, on a échappé. Oui, ça compte. Ça compte, Fred Ginger, bien sûr. Contre les morts, pas les ressuscitations. Alors, j'ai 10 jetons. On en gagne plus 3 tous les deux. Y a pas... Ça se partage. J'espère. Oh, tous ces chevaux. Tous ces chevaux qui ont été libérés. Le cheval est ni. Peut-être essaye-t-il de vous remercier, à moins qu'il ne cherche à vous faire décamper. Où va-t-il? Il s'en va. Ok, très bien. Mais je crois qu'on peut jouer un cheval. Donc, à mon avis, quête découverte, tombée amoureuse. Très bien, on va la faire. J'ai
encore débloquer quelque chose. On a validé cette quête, très bien. C'est parfait. Et tomber amoureuse. Vivez un amour chevaleresque. Mais je veux faire ça, moi, comme quête. Je sais pas comment on va la faire, mais... Alors, peut-être changer de perso. Je vais revenir sur la rôdeuse. Je voudrais voir où en sont ces quêtes. Eh oui, empoisonner des ennemis, je suis pas loin de finir. Donc je vais continuer avec elle un petit peu. Le vrai Marcus est de retour. Pas tout à fait, Imac, puisque tu vois que je réussis. Je suis mort qu'une fois, donc c'est pas normal par rapport au vrai Marcus qui lui aurait perdu dès les premiers mètres, en fait. Alors, moi, je veux bien vivre un amour chevalin, mais... Il est parti, le cheval. Attends, n'est pas allé voir Vlacero sur la droite. Et est-ce que tu veux qu'on se retrouve dans le chat vocal? Je veux bien tenter ça. Les amis, une petite pause. Le temps de trouver comment on organise un chat vocal, je ne sais plus. Groupe et conversation, on crée un groupe. C'est bien. Voilà. Inviter d'autres contacts. C'est parfait. Vlacero est là. Tout va bien. Envoyer une invitation. C'est claque. Couper le son de groupe. Basculer vers le chat. Voilà. Alors, on va voir si vous l'entendez. On va voir si moi, je l'entends. Déjà. Peut-être une option pour partager le chat, en plus. Vlacero, m'entends-tu? Ah, je t'entends. Allô, allô. Moi, je t'entends pas. Je t'entends pas sur mon micro casque. Ah, tu m'entends dans le chat, mais pas dans le micro casque. Par contre, je t'entends du coup avec le. Ok, c'est parce que j'ai pas mis de micro sur la manette. Ça peut peut-être s'arranger. C'est ça. Ça peut peut-être s'arranger. Je regarde vite fait. Si j'ai sous la main, je fais. Est-ce que vous entendez Vlacero, les amis? On l'entend. Dis un mot, un code, un nom de code. Le premier mot qui te passe par la tête. Ça nous en dira beaucoup sur toi, peut-être. Gros doigt. Voilà, quel mot a-t-il dit, les amis? On va voir si vous entendez bien. Non, c'est pas cornichon, Sebmeister, c'est l'exemple que je donne tout droit. Gros doigt, c'est parfait. Tout le monde t'entend bien, mon Vlacero. Ah, bah c'est très bien. Alors, je vais... quand j'aurai réussi à démêler cette merde, parce que là, c'est compliqué... Je vais mettre un micro sur ma manette. J'espère que... C'est un micro-casque. Il est possible que ça coupe le son du jeu pour le stream. Ce genre de conneries qui arrivent de temps en temps. Voilà, là j'ai branché sur un micro-casque. Normalement non, mais tu sais, avec moi, tout est possible. Tu m'entends bien dans le micro? Ok. Je t'entends très bien dans le micro. Alors. Attends, je mets le... Oh, moi je t'entends très bien dans cette oreillette, donc je vais la garder. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde entend tout pour le moment. Est-ce que vous entendez encore le son du jeu? C'est la dernière étape. J'espère que. Écoute, tout est bien, c'est impeccable pour moi. Est-ce que vous entendez le son du jeu, les amis? On nous entend tous les deux. On dirait qu'il y a le son du jeu. Ok, et on dirait qu'on n'a rien d'autre à faire ici, donc on va pouvoir sortir. Bon, voilà. Non, pas de son du jeu. Alors, je te suis. Hein. Tu mènes. Ah, pas de son du jeu. Après, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas trop de là, vous entendez pas les petits coups d'épée? Ah, attendez. Je déconnecte, vous allez me dire si vous entendez. Regardez, j'enlève là. Clac. Et là, normalement, je pense. Vous allez réentendre le nom du jeu. Le jeu, mais. Vlacero ne m'entend plus. Ah, si, on entend le jeu. Il est juste moins fort. Alors, attendez, j'arrête de parler. Vous entendez le son du jeu? Oui, ok. Et si je remets mon micro, est-ce que vous entendez toujours le son du jeu? Je me tais. Les gens ont l'air de dire oui. Les coups d'épée, on entend même bon, avec le micro. Ah bah c'est parfait, très bien. Non parce que j'ai... Comme dit Dindin, il y a juste c'est ça, oui. Non mais il y a le problème parfois quand tu... Quand tu branches un micro-casque, le son, au lieu de partir vers le oui. Chat, enfin vers le stream, en fait, tout part dans le casque. Et donc, il n'y a plus de sortie son de la console. D'accord. Donc, il faut régler ça dans les paramètres, je ne sais jamais où c'est. Ah, oh, mine chevaline.
Il y a ton, pe- ah, ton petit poney. Ce cheval n'a rien à faire de nos problèmes. Le cheval vous regarde d'un air indifférent. Mais moi, je veux séduire un cheval. C'est ça, il y en a partout. Des est-ce que... Est-ce que si j'étais un rat, il me regarderait avec plus de... Lui, le cheval vous regarde d'un air indifférent. Ouais, mais... sur... Ce n'est qu'un cheval stupide. Le cheval n'a rien à faire de problème. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup de considération pour les j'ai l'impression. Je vais me reprendre ma forme normale. On va voir si ça l'inspire plus. Non, ce n'est qu'un cheval stupide. Tu m'entends plus ? Je t'entends plus, Marcus. Ah. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, c'était, c'est bon. C'était peut-être c'est juste bon, un bon, faux contact. Essaye de le séduire, toi. Change de forme. Peut-être prends ouais. Chevalier ou je sais pas quoi. On va voir si ça fonctionne. Ah oui. Je suis déjà un chevalier. Rat, essaye rat. Entre animaux, peut-être qu'ils vont. Ils vont s'entendre. Voilà. Hop. Non, rien, aucun. Aucun... bon, je pense qu'on peut rien faire. Prends une carotte, je suis d'accord. Carotte, je suis d'accord, mais. Mais je vois pas de carotte. Ah oui, prends une carotte comme personnage. Ça viendra peut-être. Ça doit peser lourd, tout cette... Non, les carottes dans le chariot, tu vois pas les... Ah oui, on peut pas les attraper. Attends, oh, j'ai déclenché le... Non, on peut pas les attraper. C'est dommage. C'est tentant. Est-ce qu'on peut pas couper un petit bout de carotte avec une épée de chevalier, par exemple? Non, malheureusement, hein. En tout cas, on a déjà 7 étoiles en ayant fait un seul donjon. Si on continue, peut-être qu'on pourra avoir on aurait 15 et de quoi faire, de quoi s'occuper du roi. Ah, très, très bien, je suis d'accord. Ah, mon dieu, voilà, voilà des bêtes qui nous attaquent. Bon, ça fait plaisir de t'entendre, mon Blacero, c'est bien, encore mieux. Ah, bah, c'est génial, formidable. C'est on dit vraiment bien, ce jeu. Je kiffe. Mais nous n'avons pas visité cette grotte. Non. Regarde, il y a des brocolis. Ça donne envie d'y aller. Oh la vache! Oh là là. Ouais, peut-être une autre mort en perspective, les amis. Oh la vache! Moi je suis pas bien. Moi je suis pas bien. Faut vite en finir. Attends, reste en retrait. Oh voilà. Ouf. Vas-y, va ouvrir le coffre. De la vie. Du chocolat. Vas-y. Prends le navet. Attends, je vois pas le navet. Mais je n'aime pas trop les légumes, mais. Oh bon, voilà, je te laisse l'argent. Ouais, ça marche plutôt bien, c'est vrai. Ça marche c'est pourtant pas bien. Très nutritif, on avait, mais. Voilà, une petite grotte en plus. Bah, y'a que ça, j'ai l'impression. oui, c'est vrai, c'est efficace. Alors. C'est l'Amazon qui distribue les brocolis, nous dit Lion Lars. C'est vraiment bien. attends, je vois qu'il y a peut-être du pognon caché dans ces plantes. Voilà, je m'en doutais. On aurait pu acheter des trucs là avec chez le petit marchand. Ah, voilà un peu de monde. Je vais peut-être changer de perso moi. Je vais prendre le rat parce que avec le rat on récupère des points de vie quand même. Attention derrière toi. Ah, un poulet. Hop, je prends. Merci. Mais toi t'es pas très en forme non plus. Nourris-toi. Ok, vas-y, viens, merde, je viens de manger une cuisse de poulet là, je suis moi. C'est pas grave. Oh, un arc-en-ciel. Ah, tu veux la... Oui, on va à gauche, ouais. Ouah, y'a un énorme truc à pic, là. C'est quoi, un choc à pic. Ah, ça me rappelle... C'est dans les Gorgodémons, là, les flux quoi, dans... Les Cacodémons, dans Doom, un peu, c'est non ça, ouais. À mon avis, ça serait pas étonnant de trouver des petits clins d'œil à d'autres... À d'autres jeux. Des références, ça fait quand même pas mal penser à Zelda, le jeu en 2D. Ah oui, complètement, ouais, c'est vrai. Ah mais c'est voilà le... Ah très bien, la tour de l'expiation. Et le marchand. Ah, mais c'est le marchand. Qui vend de la ferraille 100% authentique. Est-ce qu'on pourrait... Ouais, j'ai 13 petits jetons, donc je pourrais vraiment améliorer plein de choses. Et ben j'ai 1200. Allez, je rachète des jetons d'amélioration, moi c'est mon truc. Est-ce que tu fais les courses en même temps de ton côté? Vas-y. Non, parce qu'en fait, moi je vois l'écran. Ah, ok, tu peux pas. Et si en fait, on n'a pas. Et si toi tu fais des courses là par exemple, est-ce que moi je vais voir ça sur ton écran? Si moi je fais voir. Des courses, alors attends. Ah, ouais, ok, oui, très bien. Oui, tu vas voir ce que je fais. Mais par contre, on a une cagnotte en fait. Ah merde, j'ai dépensé tous nos sous.
Non, mais c'est pas grave. Oui, mais bon, partie, quand même. Moi, je suis juste. Oh là, je suis un hôte, je suis un hôte lamentable. Qui veut gagner de l'argent en masse? Non, Je sais pas si on peut. Alors attends, je vais aller dans le menu pour. Pour améliorer mes trucs, puisque j'ai pris tous ces jetons là, normalement. Ah voilà, maintenant, je peux améliorer les flèches chargées, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Voilà, et j'ai ça aussi. Ah mais là c'est bon, tu peux... Ouais, je sais pas pourquoi, tout à l'heure... Oh mais j'avais assez de jetons, mais je pense qu'ils étaient pas assez... Ouais, en fait, il faut que les autres personnages soient à un certain niveau avant de pouvoir améliorer certaines compétences. Ah bah voilà, là ça commence à être... Bien intéressant, je peux vraiment améliorer des tas de trucs. Voilà, ça y est, j'ai tout dépensé. J'ai dépensé tout mon pognon. Qui a besoin? Bah, je peux faire encore un peu de... Un peu... T'as pas mal de défis. Ouais, pour la justement, souris. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc je vais garder la souris. On va rentrer dans ce donjon, c'est parti les amis. Pour ceux qui nous rejoindront en cours de route, je rappelle qu'on joue à Nobody Saves the World. Mais on va quand même essayer de sauver le monde avec Blasero. L'union fait la force, on peut y arriver. Alors j'ai éteint la lumière, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais... Ah oui, le rat empoisonne bien les gens. Oh, c'est moche de fouiller les poubelles. Il y a des poubelles dans des poubelles dans un donjon. C'est vrai, là, avec en plus des petits moustiques autour. C'est pas très con. C'est ça. Voilà. Beaucoup de monde. Ah. Attention, il y a la boule de feu qui part là. La prochaine. Attends, fais gaffe parce que c'est presque. Littéralement au bout du rouleau. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais me nourrir de sacs poubelles, je suis qu'un rat après tout. Ouh la vache, ça mitraille là. Voilà. J'y vais en premier. Ah bah c'est là, c'était juste une question de timing, mais. Vas-y. Ouais. Oui, c'est ça. Ah non, désolé, je suis passé. T'as bien fait. Oh, je crois qu'on a fini. Ouais. Ah, il a mauvaise haleine ce truc. Oh, j'ai. J'ai l'impression que tu m'as débloqué une quête en fait. Avec ton perso, t'as débloqué un truc du chevalier. D'accord. C'est vraiment bien cette coopération. Oui, j'espère. Oui. J'ai aussi les mêmes quêtes que toi sur le côté, je crois aussi que... En fait c'est commun. J'espère juste que quand tu retourneras dans ta partie tout seul, tu bénéficieras de tout ce que t'as fait pour moi. Eh, je suis pas sûr parce que quand t'as sélectionné le multijoueur, t'as sélectionné ta partie en fait, donc je suis pas sûr que ça marche. Ah, même la progression, genre t'auras peut-être pas accès à ces donjons là quoi. Eh, la progression, je suis allé un poil plus loin que toi, avant que tu m'invites. Et je pense pas que j'aurais tout conservé. Là c'est dur, et je suis pas en grande forme, mais... Mais c'est... Si... Je me demande s'ils adaptent la difficulté en fonction du nombre de personnes qui jouent. Écoute... Vas-y, casse les poubelles peut-être là. Ah, juste un... Ça va aller, je vais survivre. Je vais tenir. En plus, tout à l'heure tu m'as ressuscité, donc... Je pense qu'il faut aller en haut là-haut. Allons-y. Ah, je me suis faufilé comme une souris. Ah, là, je t'ai renversé. Ah, ben voilà, monsieur est trop bon. Allez, on descend. Ah, mais c'est de l'autre côté. Ah, oui, on monte. Oui, mais la perspective était bizarre. Ah, je me régale. Oh, un navet dans les poubelles, c'est parfait. Alors, attends, j'ai validé une quête. Alors, j'en profite. Enfin, tu as validé une quête. Vas-y, ouais. Plus 20% de bravade, c'est parfait. Donc du coup les quêtes sont vraiment partagées quoi. Cumulées, enfin on cumule tout, voilà, c'est ça, partagé, cherchez, merci. Mais je trouve ça injuste pour celui qui vient filer un coup de main et qui récolte pas les lauriers de la gloire. Ouais, je suis d'accord. Voilà. On les arrivait peut-être. Oh
Oh, très beau, il y avait une grosse plaquette de chocolat qui a jailli. Oh là là. Ah oui, il est là en dessous. Ah, il est méchant. Regarde, on va l'avoir quand même. Je vide les poubelles pendant que tu travailles. Je suis désolé, c'est vraiment. Kira qui dit faut appeler Julien Courbet pour l'arnaque. C'est pas faux. C'est pas si pour faire quelque chose. Hop. Alors, votre associé n'a pas droit au point de vie ou point d'expérience qu'il a lui-même acquis. C'est une arnaque, c'est un scandale. Ah, la rôdeuse, bah c'est pas bête parce que avec la rôdeuse, on n'est pas forcé d'être au corps à corps. Je prends le rat parce que ça permet de récupérer des points de vie, mais. Dans cet endroit-là. Mais c'est pas forcément une bonne idée. Ah, c'est bon. Ah, c'est franchement pratique la rôdeuse. J'ai l'impression aussi. Ouais, moi aussi, je vais faire rôdeuse, tant pis pour les points de vie. Hop. Oh, il y a du navet partout, c'est parfait. C'est étrange, il nous donne beaucoup de navets, ça sent les ennuis. Ouais, ça sent le donjon. Marcus a raté sa reconversion en éboueur. C'est pas bête, JR, peut-être un avenir là-dedans. Ah, j'ai du mal avec la perspective de cet escalier. Je sais jamais dans quel sens il faut le prendre. T'en as... Il faut t'aider des petites quatrième... rambardes. C'est vrai. Le quatrième étage. Alors moi je suis en jaune et le Blasero est en vert, les amis, parce que nous on sait où on est, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu confus à force de changer de perso. Ah bah j'ai pris. Vas-y. Là parce que j'étais. Oh là, on arrive sur une plaque de téléportation. Vas-y, prends le dernier qui reste. Ok. Ouais, vas-y. On arrive sur une plaque de téléportation. À mon avis, là il y a. On est revenu au début. Je crois qu'on est revenu au début. C'est ça, tu rappuies pour nous téléporter et en bas allez, je pense qu'il y a allez, on travaille. Allez, c'est parti. On y va. On est des dingues. On est des ouf dingos. Ouais, mais là, je suis plus à l'aise avec. Je préfère le garde. Parce que j'arrive pas à les tenir à distance. Ah, moi ça va, avec la volée de flèche là. Je suis pas mal. Ah, mais ça. Oh là là. Écoute, on est pas mal. Touche du bois. Fais gaffe parce que lui, il fait ouais, mal. Je vois, mais moi aussi, monsieur. J'ai une volée de flèches. Ah, y'a le gros, c'est fait. Hop. Ah, c'est bien tout là. Ah, tiens bon. En plus, si on reste à distance. Oh merde, un autre très gros. Je m'occupe de la grosse boule. C'est fini pour toi. Est-ce que je vais. Est-ce que tu reviens ou est-ce qu'il faut. Tu vas tenir, oui. T'as la vie au max. Ah, tu reviens en fait, y'a pas. Je croyais que c'était toi qui m'avais ressuscité tout à l'heure. Non, y'a juste un cooldown de. Oh, ils sont sympas. Franchement. Oh là là, c'est bon. Faudra nettoyer après notre passage, mais. Vas-y, à ton honneur. Mais c'était beau. Alors, 3. Ouais. On a gagné. Est-ce que tu gagnes aussi, oui? Du coup, on sait pas trop ça. Oui, c'est tout cumulé. C'est, ah, parfait. Tout partagé. Par contre, on a. Mal à taille du rat. Attends, pardon, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté ce que tu disais, excuse-moi. Je disais, t'as validé une quête, t'es en train de la valider. Très bien. Alors, par contre, il nous faut encore 5 étoiles pour 5 baguettes magiques pour avoir le droit à. Ouais, il faut faire des quêtes en fait. Bon bah alors allons-y. Régénérer du mana avec coup d'épée, piétiner des ennemis. T'as débloqué les compétences Ah oui, j'avais pas vu. En fait, les compétences que t'as débloquées, elles sont aussi valables. Ah bah parfait. Tu vas pouvoir faire du piétiner. Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, on peut se répartir les tâches. Ça. Tu peux t'occuper de piétiner pendant que je m'occupe de je sais pas d'empoisonner ou c'est ça. Donc, très donc bien. Là en fait bah, le truc ce serait de refaire un donjon pour pouvoir valider les quêtes. Bah, histoire de pouvoir dans celui-là mais... comme tu veux choisis. T'avais l'air plutôt fan du donjon j'aime beaucoup le donjon cheval. Je regarde juste, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Regarde là. Là il y a une sorte de grotte là hein. Si on monte au nord là. Dindin dit toujours une seule mort. Mais oui, c'est dingue, c'est dingue. La force de la coopération. Alors, on va monter parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc là-haut. Hop, j'arrive.
Allez, du coup, je piétine. Oui, il piétine allègrement. Alors, ça avait l'air d'être au nord, cette histoire-là. Ah là, c'était ça que j'ai vu sur la map. Ouais, ah, t'as l'œil, hein. Ah bah moi, quand il s'agit de bouffer ou de trouver des trésors, je vois tout de suite mon intérêt. Pas les radier, c'est ça. Ouais, je sais pas ce qu'il fait celui-là. Du navet, très bien. Oh, plein de coffres, non mais. La prochaine nourriture, elle est pour moi. Hein. Ok. Ah, je crois que c'est bon, t'as eu ce qu'il fallait quand même. Non, c'est bon, j'en ai eu un peu, t'en veux pas. Bon, par contre, c'est oui, c'est vrai, c'est pas ça qui va. Y'a pas grand chose. Mais il y en avait un autre. Regarde, j'ai regardé sur le plan. Non, mais c'est bon. C'est bon. Où est le plan? Où est la carte? Ah, tu vois, on a presque. Tu vois, regarde, là, il y a une autre grotte qu'on n'a pas faite, je pense. Ou si, c'est, on l'a faite tout à l'heure en sortant, celle-là. Mais on peut aller voir, regarde, au nord, là, il y a quelque chose. Oui, il y a même une petite luciole. Ah, t'as vu luciole, toi, sur la carte? Sur la carte, il y a une petite luciole. Tu la vois pas, là? Là où t'as montré le chemin? Ah oui, là. Exactement. Wow. Juste là. Ils indiquent les lucioles, c'est parfait. C'est un peu comme Maïté et Jacqueline pour le partage des tâches. Tout à fait, Nico Perron. Et viens par là, ma petite anguille, je vais pas te faire de mal. La femme parle longtemps. Alors moi, faut que j'empoisonne des gens, je crois, avec la rôdeuse. Faut que je vérifie mes tâches, parce que... Attends, j'ai juste vérifié les quêtes. Ah oui, 48 sur 50. Je suis à 2 empoisonnements de la victoire. Alors, c'était plus au nord, hein, cette luciole. Ah, ce buisson me tentait, je sais pas pourquoi. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit chelou? C'est... Ouais. Eh bien, hein. Pourtant, on va y aller, parce qu'on est quoi, des dindons. Des sortes de pans mutants, là. Mais ils étaient inoffensifs mutants, ouais. Dans le reste du... On a l'impression qu'on a changé de planète. C'est vrai, oui. Le premier Half-Life où tu faisais tout le jeu. Ouais, allons-y. On est ici à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Des oh là tortues là. Oh, c'est quoi, c'est la sauce? Oh. Ah, ils t'aspirent la vie, eux. Carrément. Ah, voilà, ils m'ont aspiré la vie. Ouais. Fais-les taper à distance, du coup. Ah, sauf que ma portée est pas... Bon, tu vois, tu t'es débrouillé quand même. Moins, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Le problème, c'est que j'ai pas... Oh, je me suis fait exploser. Ah la vache. Nos flèches n'ont pas une portée assez longue. Fais gaffe, les flèches n'ont pas une portée assez longue pour les avoir, je pense. Peut-être qu'il faudrait rentrer dans le tas, là. Je vais prendre... Ah oui, d'accord. Ah, mais en fait, ça descend super vite. Recule, hein. Non, je voulais changer de... Oh putain, c'est pas un endroit où il fallait aller peut-être tout de suite. Ah ben là, on a carrément... Hé, hey, on est mort, les amis. On est mort, je suis mort 2 fois, là. Ah, c'est niveau 20. Alors, attends. J'avais pas vu, en fait, il y a un niveau pour les... Pour les zones. Les zones, et je pense que le niveau est trop élevé. Ouais, c'est niveau 20, on est que niveau 2. Oh, en fait. Bon, essayons quand même, viens, au corps à corps. Ouais, au corps à corps, parce que visiblement... Allez. Ça marche pas, mais... Oh, fait 0, ouais. Zéro, ah oui. Dégâts, en fait, oui, ça ne sert à rien. Ok, bon, on va aller avoir une mort de plus, mais... Celle-là, elle est un peu gratuite, mais... Bon, oui, allez, on a voulu faire les shows là, mais c'est pas une bonne idée. Où est-ce que t'as vu que c'est niveau 20? C'était affiché à l'entrée? C'était écrit en dessous du nom, Là, tu vois, c'est écrit niveau 3. Ah, d'accord, ok. En bas, domaine on roi est mieux là, 3. On est non, plus chez nous. On d'aller à gauche. Alors, attends, du coup, je voulais regarder la carte. Ah, mais même pas, on était à gauche. Ah, maintenant, en fait, on est obligé de finir les quêtes pour pouvoir passer d'abord ouais. La porte du château. Et alors, regarde, il y a effectivement cette luciole qui serait là. Ouais, il y a peut-être un passage secret par. Attends, peut-être par le rat. Ah! Un petit passage. Mais je regarde, mais je vois pas pour le moment. Par le rat. Oh, piétiner, c'est sympa. Je viens de tester.
c'est plutôt cool. Peut-être par le... Entre deux buissons, tu vois. Allez, t'en reviens un peu par là. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais. Là, voilà, là, là à gauche, là. J'ai l'impression que ouais, là un où passage, je suis, tu vois. Ouais, un truc qui se verrait pas tout de suite. Non, non. Et non, un peu plus haut. En allant à gauche, là, non, y a rien. Bon, peut-être une astuce qu'on connaît pas. C'est ça. Regarde bien s'il n'y a pas une poubelle à manger. Dans la grotte derrière le coffre, on me dit. Ouais, c'est Syntax Error qui propose ça. Dans la grotte. Alors attends. J'ai pas vu de coffre, mais. Si tu veux ouvrir la map, n'hésite ouais, pas. Ouais, alors attends. Voilà. Non, tu vois, il est par là. Non, je pense qu'on a tout fouillé par là. On retourne à la boucherie Chevaline, on va refaire un peu ça. Allez, si tu veux, ouais. Mais de toute façon, on n'est pas loin de finir pas mal de défis. Ouais, donc on devrait avoir... Je sais pas si tu vois à gauche, pour la souris, je vais continuer la souris, continue le soldat et on devrait pas mal avancer. En switchant, je voulais dire un truc intelligent, je ne sais plus ce que c'est. Attends, ça, si on y retourne, ça a respawné les trucs ou pas? Oh, j'ai déjà une quête de plus. Oui. Il nous faut 15 étoiles. Il nous faut 15 petits, étoiles pour... Ouais, on est bientôt là. Ah, attention, la jument. Oh, merde. Oh, parfait. Ah, je veux peut-être avoir une histoire d'amour avec cette jument. Applique l'effet impact dégâts contondant en cas de projection contre un mur ou un autre ennemi. Oh, mais c'est très bien, ça. Ah, elle a les yeux un peu bizarres. Je reconnais. L'image... Est-ce que en bas de la... J'ai le zombie dit, en bas de la grotte chevaline, ça passe avec le rat, point d'interrogation. On va essayer. On va essayer. Moi, il faut que je continue à piétiner. Le rat. Oh, le rat était. J'y suis bientôt. Je vais continuer avec le rat. Voilà, il reste pas grand chose. 292 sur 300. Et moi, je vais continuer avec le chevalier. Ouais, ouais. Mais là, du coup, ça respawn pas dans les petites grottes. Il faut venir vraiment dans les donjons, je pense. Bon, là, on a un peu de bouffe. C'est toujours ça de prix. Allons-y. Mon homme pas. Non, mais c'est pas mal au final. De devoir refaire, ça évite d'avancer trop vite. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est bien fait. Parce qu'en plus, il y a pas grand chose. Enfin, c'est pas interminable de remonter de niveau, je trouve. Donc, c'est bien, oui, c'est agréable. Ça. Après, j'ai tellement envie d'essayer cette jument. Est-ce que tu crois que, ouais, tu peux vérifier la quête pour les deux autres, comment dire, pour la souris et les deux autres qui restent. Oui. Alors, les quêtes. On en a débloqué une. La souris, ah bah attends, on a vidé et validé, on est à 12, c'est pas mal. Ouais. La souris, tu dois encore faire des morts sur 40 ou 50. Régénérer du mana avec la compétence passive récupération. Donc okay. Ça, c'est à chaque fois que tu mords, je crois, tu récupères. Et dévorer, tu as 1368 sur 2000, tu peux continuer à dévorer des gens. Et moi, il faut que je continue à piétiner des gens. Ok, ok. Et les rouges, c'est Et les rouges, ah merde, est-ce que... Les rouges, c'est compléter l'histoire en fait, c'est ça. Attends. En gros, c'est continuer dans l'histoire. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, faut. Ça avance tout seul. D'accord. Allons-y. Ok. Alors, vas-y. Ah oui, j'ai envie, excuse-moi. C'est tellement tentant. Il faut que je rajoute dans les persos. C'est ça. Voilà. Et je voudrais faire amour de jument. Attends, je vais draguer un cheval. Ce cheval vous propose une poignée d'ivraie, mais vous n'êtes pas d'humeur. Cet étalon semble ravi de voir un nouveau visage. Attention de ne pas te positionner. Ok, ouais. Faut que j'en trouve un qui me corresponde. Bon, ils sont tous contents de me voir visiblement, mais est-ce qu'il y en a un? C'est oui, c'est ça. Je retrouve un partenaire pour me reproduire. Ils sont contents. Ah, attends, il y a celle qui avait un triangle, un point d'exclamation au-dessus de la tête. Elle va me proposer quelque chose. Elle va me proposer l'amour. Alors ça, c'est un fier destrier. C'est bien la première fois que vos yeux équins se posent sur une telle beauté. Vous essayez de vous distraire en broutant un carré d'herbe, mais les talons majestueux ont la même idée. Alors que vous baissez la tête, vos naseaux humides s'effleurent. Oh là là. Tu viens plus aux soirées? On y est. Vos regards se croisent. Alors, on se croirait sur Canal Plus. C'est ça, on y est presque. Il est le cheval que vous attendiez, les talons dont vous avez rêvé toute votre vie de jument. Lorsqu'on peut se transformer en équidé, il faut s'attendre à ressentir toutes sortes d'émotions étranges. Mais vous étiez loin de vous douter de ce que vous trouveriez. L'amour. Ah, c'est beau, j'ai la quête d'un amour chevaleresque, donc ça va faire une étoile en plus, ça, mine de rien.
Je l'ai aussi. Et il faut que je fasse Ruad, bah c'est parfait. Voilà, 13. Oh, je pense que ça devrait être bon là maintenant avec les... Je vais faire quelques ruades, quelques piétinements, on devrait être bon. Ouais. Voilà, alors allons-y. Bah retournons dans le... Ah, ah bah d'accord, il reste un doux hennissement, il vous attendra le temps qu'il faudra. Ah c'est bon. Oui, le devoir m'appelle, excuse-moi mais... Allez, écartez-vous les chevaux. On y va, je rentre. Exactement, oui. Je suis trop populaire, tous les chevaux me courent après. Ah, j'aurais dû sauvegarder avant. Bon, c'est pas très grave. Si Amélie Poulain demanderait du plombier, on va nominer Amélie Poulain pour cette bonne vanne. Alors, allons-y. Est-ce que des gens vont nous agresser ou pas du tout? Ah, je peux faire des ruades arrière, c'est magnifique. Des ruades en marche. C'est super. C'est con. Ce qui est bien, en plus, les persos ont des trucs vraiment différents, je trouve. Oh là, il y a cette saleté de chauve-souris qui... Ah, il y en a un niveau 2, là. Je rue. Est-ce que c'est en bas? En fait, c'est pas mal, je les envoie... Hey, ah ouais, les costauds, je les envoie dans le décor, en fait. En ruade arrière, j'ai réussi à envoyer les persos dans le décor. Donc ça vaut le coup d'avancer en marche arrière, c'est bizarre à dire, mais... Ouais, bien. Et bien, là. Ah bah t'as un abreuvoir, là, si tu veux. C'était un coffre, ah, pardon, j'ai ouvert... j'ai ouvert lâchement. Moonwalk is the low. On dirait un abreuvoir. Oui, c'est vrai, j'ai envie d'y aller. Ah bah ils sont là, de toute façon. Oui, c'est vrai qu'on est dans un niveau cheval, hein, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, alors, où est-ce qu'on n'a pas tourné là où il fallait? Ah, en haut, c'est bien en haut là. Ouais, je pense, ouais. Ces ruades, c'est juste incroyable. En plus, je suis en train de tout remplir de ruades arrière là. Remplir ma jauge de ruades. Attends, oui, c'est une quête, c'est de faire des ruades avec des coups de pied en marche arrière, j'ai l'impression que je résume mal, mais c'est ça. Allez, j'ai bientôt fait les quêtes de la souris. Parce que tu vois, quand je mets une ruade, je balance le perso contre le décor, et là, ça fait des gros dégâts. Ah bien, on est à 13, on va être à 14. Merci Gradubix le Bedonnant, quel beau pseudo. On va nominer Gradubix le Bedonnant, mon dindin. J'ai validé. On a validé une quête de plus, on a deux quêtes. Eh ben, on est bon alors. Deux quêtes, ouais. Donc là, normalement, on a 15, donc ça devrait être bon. Alors, allons voir. Attends, validons. Et bim. Donc à ton choix, si tu veux, on continue. On va aller... Oh ouais, on va aller faire le... On va finir la soirée sur le château. Ça va être magnifique. Ouais. On a délivré le roi. Voilà, triompher des ennemis avec ruade. Voilà, bah, je vais continuer cette petite ruade. Et après, je... Piétinement, tu l'avais fait. Le chevalier, il y avait quelques piétinements à faire et c'était bon. Oui, j'avais terminé, ouais. Et du coup, il reste une quête avec le cheval et une quête avec la souris. Ouais, ouais. Bah, déjà, on peut rentrer dans le château. On l'a tous défoncé. non, je pardon, c'est cul-de-sac. Ouais, c'est le cul-de-sac là. Oui, oui, il y a la map en haut, en fait, on voit, j'avais pas fait gaffe. J'adore les statues. Statues de cheval fou. Des jolies carottes et des bottes de paille. Oui, c'était tentant, je voulais aller voir. C'est le jour du jument dernier, dit Facehugger, putain. On va nommer les Facehugger, mon dindin. Eh ben. C'est la fête. On a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on n'irait pas le dépenser un petit peu? Ah oui. Tu vois, c'est pas mal. Hein. Je reprends des jetons. Vas-y. J'aime bien moi les jetons là. Ouais. Bah, le reste après, c'est... j'ai l'impression que c'est juste des petits bonus, tu vois, qui durent un petit moment. Ah, augmenter mais, les attaques, par exemple. Ça doit être plus pratique quand on est tout seul. Ouais. Tu vois, c'est pas mal ça. Ah bah, là, ouais. T'as presque tout dépensé.
c'est le compte commun, mais c'est comme avec ma femme. C'est mes sous. Hop. C'est oui, c'est les soldes en ce moment. On y aille. Hop. Ah ah, on arrive. Ah bah attends, je prends l'argent. T'as ah ah oui, oui, banque, je t'en prie. Traîne quand même. Alors, votre Altesse. Nous voilà. Allez, c'est parti. Déverrouille la porte. Ce sont ceux-là des étoiles que je vois sur votre pâle personne. Magnifique. Seuls les plus puissants magiciens sont capables de rassembler de telles constellations d'étoiles. J'ai hâte de faire sa connaissance. En attendant, emmenez ces étoiles à la porte des étoiles. Ah, parfait. Oh. Il va y avoir du level. Ça va moins rigoler. Mais, mais on va y aller. On dirait la fable de la fontaine, le cheval et le rat, c'est vrai. Ou alors les musiciens de Brême, tu sais, un cochon, un coq, ou je sais plus trop ce qu'il y avait. Alors, oui, c'est vrai, très, très moderne. J'aime beaucoup. Un peu disco. Très sympathique. Oh mon dieu, ça se coupe. C'est entraînant. Qu'est-ce qui se passe? Je vois tout. Intrusion. Une sinistre présence blotte votre quête de forme. Utilisez juste vos formes pour survivre. Ah. Ah, regarde à gauche. Les quêtes ont été bloquées. Comment ça? Ah oui, y a des oh, cadenas. Le salaud. Attends, parce qu'on a une quête qui avait été validée du coup. Entrer dans le donjon du château, c'est validé. Voilà, ça en prend. Non, du coup, là, de toute façon, on a les quêtes du sur cheval. Les formes, pas toutes, mais rien. Cheval et rat ont été verrouillés. Ouais. Il est malin, ce gars-là. Ouais. Donc, faut qu'on prenne autre chose que cheval et rat. Genre chevalier. Moi, je vais prendre chevalier. Mais est-ce qu'il a bloqué? Ah, mais c'est bloqué aussi, regarde. Oh, le salaud. Ah ouais, ok. Non, mais ça devrait se débloquer, je pense, quand on aura avancé un petit peu. Eh ben, on va lui péter ses chaises, tiens, voilà, pour... Ah, pour lui apprendre à nous bloquer nos quêtes. En tout cas, c'est... Je sais pas ce que c'est quoi qui a envahi le château. Oui, un peu de ça. Alors voilà, un gars qui a un gros cochon à tête, visiblement. Arrière, vilain monstre, tâtez de mon acier. Ah, mais ça va être un gars qui va être avec nous, peut-être, non? Parce que regarde, il... Ouais, on va l'aider, en fait. On va l'aider. Petit tutoriel. Petit toutes tutoriel. Les attaques infligent un tic de dégâts précis. Tranchant, contondant, ombre ou lumière. Waouh. Donc là, par exemple, faut ombre. Visiblement, il est violet, lui. Les ennemis protégés par un bouclier sont invulnérables tant qu'ils ne sont... subissent pas... Bon, pas bien traduit, mais c'est pas grave. Un type de dégâts précis. Donc lui, ça va être ombre. Rendez l'ennemi vulnérable avec une attaque d'ombre, puis abattez-le. Ok, donc là, c'est le rat, hein, je crois, qui attaque d'ombre. Parce que c'est un peu... Oui. On a le symbole, oui c'est ça, c'est le symbole de la lune. Ah oui, au-dessus de chaque perso. Ouais, et même des attaques. C'est-à-dire que quand t'étais dans le... Quand tu joues, en bas à droite, tu sais, t'as les symboles avec les touches, t'as les attaques avec leur pastille, et t'as une petite icône avec une épée. Ah ok, et eh ben donc voilà, comme ça on sait. Allez, c'est parti. Vas-y, vas-y. Bien abîmé. Ok, donc on va faire gaffe. Alors... Ok, donc je suis obligé de me transformer. Pense aussi, ça fait zéro. Ah, c'est pour ça tout à l'heure, tu sais, on faisait zéro de dégâts aux autres là-haut. Au niveau. Quand on s'est aventuré dans un truc, il aurait fallu prendre un rat, je pense. Ils étaient violets, donc je pense que c'est un rat qu'il aurait fallu. C'est ça. Oh, les amis, on apprend plein de trucs ce soir. T'as incroyable. Raison, ouais. Rendez l'ennemi vulnérable. Alors cette fois, c'est attaque tranchante. Ah, ben. Donc on va changer de perso. Avec un demi-cerveau chacun, on fait c'est vrai. Normal. Alors par contre, sur la roue, on voit pas l'attaque tranchante. On voit pas qui fait l'attaque tranchante, mais je crois que c'était le chevalier. On va voir ça tout de suite. Ouais, ça marche. Vous avez l'air de savoir y faire, dites-moi. Je suis Armanda, chef de la guilde des chevaliers. Ah, c'est la chef. Je me suis retrouvé piégé à l'intérieur. Alors, on peut changer rapidement de forme. Ouais, on a fait. Ça, ouais. On avait... Ok. Et il veut qu'on change de forme, c'est ça? Ah, je vais changer rapidement, ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Une bouchée de verre souche, une gorgée d'aigreau, et il n'y paraîtra plus. Eh ben, viens nous aider.
Bon là il va falloir gérer les formes, je pense, ouais. Alors attends, il a dit ne vous inquiétez pas. Attends, j'ai un petit message, je regarde vite fait. Vas-y. Alors oui, quelle heure il est? Oh là là, vache, ça passe toujours trop vite ces soirées. Dindin envoie déjà les meilleures vannes, le nombre de morts, etc. Donc très bien. On va régler tout de suite le nombre de morts, c'est le plus facile à faire. On est mort 4 fois, hein, c'est ça? Je mets en pause alors. On est mort 4 fois, je crois. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on est mort 4 fois? Oui. Enfin, je suis mort 4 fois. On t'a pas compté du coup. Eh bien, c'est Terdrome 02 avait trouvé 4. Kera était à 5 et Sokar à 3. Donc voilà, parfait, Terdrome. Oh là là, bien! Bien, les amis. Eh ben, Terdrome, tu vas recevoir Evoli. Que voici, que voilà, que Voli. Ce sera pour toi pour le nombre de morts. Alors, on va continuer l'aventure et puis on va regarder après le nombre de. Comment dire? La meilleure vanne et le meilleur pseudo, ouais. Le meilleur pseudo et la meilleure vanne. Alors. Ah, on a laissé des pots. Ah, oui, c'est vrai, tu veux qu'on retourne, moi je veux bien. Où est-ce qu'il y avait des pots? Non, mais écoute. Ah oui, disons. Ah, il y a des pognons, t'as raison, faut voilà. Toujours penser aux pognons. Oh, il y avait rien. Ouais, un peu de pognon. J'ai pas vu. Bon, lui, il veut rester là. Ça, c'est quoi? C'est un cochon avec une pomme dans la bouche. Il a. Mais c'est un. Ouais. Non, on n'a pas trop envie de manger. Attends, d'abord. Voilà, exactement. D'abord la tirelire et après on verra. Il n'y a pas de petites économies. Même les chaises, il y a du pognon caché dans les chaises, c'est bien. Ça, c'est un peu les Zelda, ça. C'est bien dans un mobilier. C'est bien du mobilier de roi, on voit qu'il y a du pognon. C'est ça. Alors là, visiblement, pour passer cette porte, il faut tuer 62 monstres. Ok. 62 ennemis. Ouais. Bon, c'est pas un problème. Bon, voilà. Ah, ben. En plus, moi, faut que je piétine avec lui. Mais ah oui, mais non, mais ces quêtes sont. Ouf. Ces quêtes sont verrouillées. Ouais, je suis pas bien. Heureusement qu'on a déjà voté pour le nombre de morts. Parce qu'à mon avis, il va y en avoir d'autres là. Alors, pourquoi il est vert lui? Ah oui, il faut faire gaffe maintenant au. Oui. Faut faire gaffe aux attaques, ouais. C'est-à-dire que le piétinement, par exemple, sur lui ne fonctionne pas ou fonctionne moins. Ah, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas du tout si t'as pas la bonne attaque, non? Et là, il en a pas pour faire ce qu'on veut, en fait. Ça dépend. Ah, là, tranchant, c'est pour moi. Chevalier, ça va bien marcher. C'est nous deux, ouais. Toi aussi, tu sens, ouais, ok. Ouais, sinon, ça sert à rien. Ah, c'est bien. Vas-y, prends la cuisse. Prends la cuisse de poulet. Ah, merci. Ah, une bonne cuisse de poulet, voilà. Rien de tel pour ce. Protéines. Ça, par contre là, c'est moins. Tous les deux mal en point, mais tous les deux chevaliers, donc on a a priori les bonnes armes pour lui. Et je propose qu'on prenne le rat, parce que le rat récupère des points de vie, donc si son attaque correspond. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais en plus là, t'as pas besoin d'avoir une attaque qui correspond, donc lui, il a pas de faiblesse. Ah, c'est vrai. Ah, là, il faut du tranchant. Alors vas-y, fais gaffe. J'y vais. Ah, y a pas de temps d'esquive. Ah oui, c'est vrai qu'on a envie de dasher un peu, je suis d'accord. Oh, attention, ouais, ouais. Y a la grosse boulette. Genre la petite roulade. Ça, et. Oh ouais, ils veulent du tranchant. Ah, voilà. Je vais leur enfiler du tranchant. Oh là, je suis mort aussi. Ah ben on y est passé tous les deux. Aïe 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 aïe. Heureusement qu'on avait verrouillé le compteur, les amis. Ouais. On recommence. Eh ben allons-y. J'ai pas peur. Allez, encore une petite tentative. On verra. Et pendant que on rentre dans le château, on va récompenser la meilleure vanne du jour. Il y avait, c'est sponsorisé par Polydent qui avait le petit rat. C'est la légende de la bête du Gévaudan. Ça, c'était très bien aussi. Si elle boit trop de bière, elle devient la rôteuse, la rôdeuse. Ça, c'était très bien amené aussi. Est-ce que c'est Amélie Poulain? J'ai beaucoup aimé celle-là. Et c'est le jour du jument dernier. Oh putain, c'est chaud. Bon, voilà, Céro, je vais avoir besoin de toi pour choisir là. J'ai du mal à trouver la meilleure vanne. Je trouve que tout se vaut. Je sais pas ce que tu en penses. C'est sponsorisé par Polydent, qu'on voyait le petit rat. C'est la légende de la bête du Gévaudan. Bien amené aussi. Si elle boit trop de bière, elle devient la roteuse. C'est Amélie Poulain. Et c'est le jour du jument dernier. Voilà. Ah, ce soir, c'est Vlacero qui dit. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Quand même. Le jour du jument dernier, c'est une vanne de ouais. Facehugger. Eh ben, mon Facehugger, voilà. C'est pour toi, ce très beau t-shirt.
J'espère que je ne tiens pas à l'envers de Nier Automata sous blister, absolument collector. Et tant que j'y suis, je vais récompenser le meilleur pseudo et ensuite on pourra rentrer dans ce donjon. Il y avait Soupa Machin, Dominique Grosscan, Gradubix, mais peu de non. Je pense que Dominique Grosscan est quand même le plus méritant, mon Blasero, tu valides ? Oui. Hein ? On est d'accord ? Oui. Eh bien, Dominique Grosscan, c'est toi qui gagne le petit nanobloc de Newt. Voilà, c'est parfait. Ah là là, très bien. Oui, Kira valide aussi. Tout le monde est d'accord pour Dominique Grosscan, c'est absolument parfait. Très bien. Bon, allez, allons tuer des monstres, du coup. On refait une petite tentative, ah, hein, puis si on se fait tuer, tant pis, on ira se coucher, mais en tout cas, c'est bien. J'étais pas pressé de se coucher. Voilà. Est-ce que vous voulez aller vous coucher, les amis, ou on continue encore un peu? On va essayer de finir ce donjon, mais si ça prend des heures... On va essayer. Ah, tiens. Je pense qu'il faut peut-être essayer de pas se précipiter, peut-être, et dès qu'on commence pas à aller trop bien, de reculer un peu pour que les ennemis viennent plutôt vers nous. Oui, c'est vrai. Et de, le temps de vérifier que ce qu'il faut faire. C'est attends, ça, peut-être continuer à looter en chemin. Oui, vas-y, ouais. Ça fera pas de mal. Et on a quand même... Attends, on a 11 points qu'on n'a pas dépensés. Alors, ce serait peut-être pas mal. Vas-y, je t'en prie, si tu veux rajouter des attaques. Bah, du coup, rajoute plutôt des attaques aux soldats, parce qu'il sert beaucoup dans ce donjon, aux soldats, quand même. Alors, voilà, ça, c'est pour lui. Je peux augmenter ça. Alors, curieusement, il y a beaucoup de choses qui sont grisées. Rôdeuse. Ouais, parce qu'on n'a pas augmenté les... On n'a pas augmenté ah, les... Ah, c'est quête. Écoute, j'augmente tout ce que je peux. Oui, vas-y, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Pas trop de choix, voilà. Ça pourra pas faire de mal. Ah, attends, allez. Wouah. Ouais, je bourrine un peu trop, il faut que je me calme. Du navet, vas-y prends, t'es moins... Attends, ah, qu'il y a un petit... Un petit peu, ouais. Je l'ai eu. Et un petit coffre. Ah, pas wow, ouf, faut bien esquiver. Attention, lui, il mérite du tranchant. Voilà, c'est fait. Oh. Je fais pas toujours exprès de récupérer de la bouffe, hein, je tiens à préciser. Non, mais t'en fais pas. Wow. Oh là là. Aïe, je l'avais pas vu, je suis allé trop vite, j'ai pas attendu. Ah bah lui c'est un peu précipité. Ouais vas-y prends. Ah j'y vais. Oh là là les amis, vous avez vu, c'est ça la camaraderie, c'est ça le la coopération. À gauche il y en avait. À gauche tu veux? Ouais c'est ça. Bah c'est le but après. Ouais attention, il y a du gauche, gros là. Ah putain, j'avais pas vu. Ouais et exactement. Salle précédente, salle précédente. Et si on prenait des rôdeuses là pour faire des trucs à distance, qu'est-ce que t'en penses? Oui parce qu'ils ont pas de exactement, je pense tant qu'on. Alors lui, je m'en occupe. Ah, ça y est, j'ai compris, en fait, ils ont une faiblesse, mais quand on les touche avec l'attaque... Ah, une fois que c'est fait, ok. T'as vu, il a changé ah, de couleur. Ah oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il a changé de couleur. Donc en fait, on peut les toucher une fois et changer de personnage après. Ok. Écoute, lâchement, je propose... Je vais garder la rôdeuse. je te charge de changer de forme pour... Vas-y, pour vas-y. Nous les affaiblir, en fait. Ouah, sauter dessus. Ah. Hop, c'est bon, on l'a eu. Voilà. Allez. Yes, c'est beau, dit Kira. Mais oui, c'est magnifique. C'est... Allez, attention. Ouf, ouf. Vas-y. Attention, va du monde. Peut-être reculer un peu. Ouais. Vas-y, on recule un peu, Pierre. Ouais, oh, attention, ça arrive. Ouh. Allez, c'est bon. Ah, on est pas mal. En fait, dès qu'on s'organise un temps soit peu, tout de suite ça avance. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, bien ce jeu, hein. On est récompensé quand on est intelligent. Moi j'adore, franchement. Ouais. Un petit Kofio. Oh, il y en a pour tout le monde. Mais je prends tout quand même. le mec est complètement égoïste. Non, mais de toute façon, on était kiff. Alors vas-y, je passe devant. Vas-y, c'est bon, tu peux venir. Voilà. Je sais plus si on est allé. On n'était pas arrivé jusque là tout à l'heure. Je sais plus si on est allé. Oh, il y a beaucoup de navets. Attention, beaucoup de monde. Ouais, je suis d'accord. Recule. Il y a un chat là qui balance des. Ah, bah il est là. Ah, moi je dis j'ai chauve-souris. Mais.
Ça se discute, je suis d'accord. Hop. Merci Ndigger pour l'abonnement. En pleine bagarre. Ah, c'est pas mal. Bah tu me mâches le travail, faut dire. C'est-à-dire que moi je reste à distance et je cartonne. Mais parce que tu me les as bien affaiblis. Ouais. Allez, recule, d'accord. recule. En recul. Mais on doit pouvoir améliorer la portée des flèches parce que elle tire pas très loin les flèches en fait. Faut que ouais, il faut que tu charges en fait, donc elle tire plus loin, mais c'est vrai que. Je suis même pas sûr qu'elle tire plus loin. Ah si. Charger et tire plus loin. Vérifie là, t'as un AV à gauche. Ah je veux bien. T'as un AV à gauche et vérifie dans les pourrons en bas là. Ah les amis, des bisous mon Marcus de Boulet, merci Angie. C'est gentil. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Nous on ne se couchera pas tant qu'on n'aura pas fini ce donjon. On est comme ça, on est des warriors. On est des warriors, ouais. Ok, il y en a un en haut là-haut, on a... Oh, il y a pas... Allez, on essaie... Ah oui, ils sont trop bien. Ça devrait aller, ça mais... Ça va être facile, je pense, ouais. Faut juste que j'arrive à viser correctement. Voilà. En fait, c'est perturbant le fait de verrouiller une direction. Parce que... Ah oui, c'est vrai, très chouette. Il faut d'abord comment ? Il faut d'abord aller vers l'adversaire pour ensuite reculer. Ouais, voilà. Avant de verrouiller. Donc ça, on est habitué au twin stick là où tu peux te déplacer dans un sens et tirer dans l'autre. Du coup, je trouve que. C'est ça, on est déjà venu là, ouais, je crois. Je vois qu'il y a beaucoup de cadavres. Il faut aller vers la droite. En haut à droite. C'est vrai que les musiques sont bien, c'est trop bien. Ouais, ouais, elles sont entraînantes. On se débrouille mieux que tout à l'heure. Bien. Attention, beaucoup de monde. Oh là, je suis pris entre une table. Ça va Ouais, c'est bon. Hop là, c'est bon. Ah, c'est une belle merde ça, le truc avec des gros yeux là. Non, tu ne m'auras pas. C'est bon. Là, de l'autre côté. Ah, ok, fin au tour. Ah, ouais, ah, je peux au-dessus, ouais. La table, en fait. Ça rentre. Très bien, c'est comme pratique. Ça, je te l'ai bien fatigué. Voilà. Parfait. Yep. Elle ambiance grave la musique du jeu, dit Bastos. Très bon pseudo au passage. Ah mais moi je trouve aussi. Mais oui, c'est bien, c'est un peu décalé, mais ça colle bien quand même, je trouve. Alors là, c'était l'entrée, donc on est revenu au tout début. Est-ce que à droite. Qu'est-ce qu'il veut qu'on trouve déjà? Il veut juste qu'on débarrasse je pense. Le château de ses monstres. À mon avis, il y a un moment où il veut. Là on est déjà venu. Yeah. Ah attends, sur la carte en haut la minimap. Ah ben voilà, 66. Ah bah 66, voilà, on a fait le ménage. Le plus dur reste à venir, si tu veux mon avis. C'est clair. Sans doute. Intérêt à bien se stuffer avant d'attaquer la suite. Alors. Oh voilà, 65 maintenant. Ah ben voilà, encore une porte. Oh, 65 et demi. Bon, ouais. Maintenant qu'on a le. Alors ce que j'espère, c'est que si on meurt là, on se retape pas les 60, puis les 65 et tout ça. Oh, attention, beaucoup de monde. Je sais pas. Oula. Ouf. Attention. Ouais, recule. Vas-y, je me transforme en rat. C'est pas mal. Vraiment, cette façon de faire est géniale. Il y en a un qui s'occupe des formes et l'autre qui canarde à distance. Même si c'est plus dangereux pour toi que pour moi. On va y arriver. Ah, il y a de la chauve-souris. Allez. Pour le moment, c'est toujours un peu les mêmes adversaires. Mais on a vu dans l'autre niveau qu'il y a des trucs très différents. Donc je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Attends, je l'ai trouvé. Ouais, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Oh la vache. Attends, Reviens. J'essaie d'affler. Oui, je reviens. J'essaie d'affaiblir aussi en passant, mais. Ouais. Bon. Ah, ouh, attends, regarde. Oh, ça y est, ils m'ont eu, les salauds. Tiens-toi à l'écart, que j'ai le temps de revenir. Ouais. Je recule même. Ah, me revoilà. Hop. Oh, vache. Ah, mais t'as vu la taille de la chauve-souris? Moi aussi, faut dire. Thomas, la taille de la chauve-souris. Oh! Ah,
Ah, j'y suis passé, recule, limite, redescends en bas. Limite. Oui, si me laisse faire. Ah oui, c'est par là. Ah, te voilà. On redescend quand même. Alors attends, reprenons nos esprits. Moi, je suis à moitié crevé. En retest. Ouais, t'es prêt? Ouais. Je vais passer devant du coup, reste. Ah, mais ça nous entraîne tous les deux. Ah, moi, je crois que je suis mort à l'arrivée. Oh, joli. Je vais l'avoir. Attends. Wouah, vache, bravo. Les amis, DGG pour Vlacero, parce que là, je ne serais pas sorti tout seul, c'est clair. Ah non, on avait dit que c'était pas facile. Vraiment, ça nécessite d'être deux déjà et bien concentré. Oh, j'aurais dû te le laisser. Franchement, tu l'as bien plus mérité que moi. Non, mais de toute façon, c'est tout partagé. Donc, ouais, j'ai quand même mauvaise. Prenne, ça changera rien. Il y a quand même mauvaise conscience. Non. J'ai pas trop utilisé ma volée de flèches en plus depuis tout à l'heure. Ok. Alors attends. Finis d'abord cela avant de s'attaquer aux chauves-souris. Ok. Voilà. Hop. Et je vais les affaiblir. Hop là, c'est bon. Voilà. Vas-y, prends la. Attends, je vois pas la queue. Ah, voilà, nickel. Tu l'as pris, c'est bon. Ah oui, en haut il y a un petit compteur, 38 sur 65. Qu'on saura à quel moment on peut revenir. Ah, ben c'est pour la seconde porte. Oh, recule, ouais. Je vais les affaiblir. Ouais, c'est vrai que là ça marche, ça sert à rien. Ouf. Allez, beaucoup trop de monde. Hop, je l'affaiblis lui. Oh la vache. Peut-être quand il charge, ça fait mal. Attends, on va remonter un peu. Moi, je reste vraiment en retrait comme un gros lâche. De toute façon, c'est comme ça que fonctionne ton personnage. Hein. Tu tires à distance, donc il faut pas que tu t'approches. Fond du casson. En plus, t'as moins de points. Fond du casson marron qui dit l'équipe de choc ce soir. C'est vrai que c'est quelque chose. Ok, la souris. Voilà, ils sont énormes ceux-là. Ouais, je m'en suis occupé pour les affaiblir. Recule. En recule, Marcus. Ça y est. Ça devient technique. C'est beau. Oh la vache. Je suis laissé prendre dans les griffes là. Pas bon du tout ça. Oh, faut pas que je reste dans les griffes à chaque fois, je suis bête. Ça va se coucher, il y a Dark Mimolis qui va se coucher, Makira qui va se coucher, je vous fais des bisous les amis, merci. Bonne nuit. D'avoir suivi nos aventures dans ce donjon. Maudit. Mais on s'en sort pas si mal que ça. 60 sur 65 encore. Okay, encore 5 mecs à tuer et on sera bien. Je repasse en garde. Allez. 62. Attends, recule. C'est vrai qu'un petit dash ce serait pas de refus, mais peut-être que ça vient plus tard. Peut-être que les persos ont des dashs plus tard. Ah là, je pense qu'on a les 65, largement même. On peut retourner, je pense qu'on peut remonter, ça doit se rejoindre, non? Ah oui, en effet, oui, je pense, oui, là, ça rejoint en haut. Petit coffre, on en profite, tiens, et une cuisse de poulet, tu as besoin. Si t'as faim. C'est bon, j'en ai une en bas. Parce que, voilà, moi j'ai... Ah, merci. En plus, t'es au maximum, donc... Hop. Allez, et là, normalement, on revient à la porte. Ah oui, c'est ça, on revient à l'entrée. La porte est là. À gauche. Elle est en haut. Ah, sur la minimap, elle est en haut. Oh les amis, mais. Elle est juste en face. Juste là. Alors, j'espère qu'après, il n'y aura pas une troisième porte avec 200 mecs.
Bah, je sais pas, j'espère. Bah écoute, ça monte de plus en plus, mais après on a l'air d'être dans un gros donjon quand même. Ah là c'est... on est chez le roi les amis, c'est pas rien. Oh oui là ça sent le... Ah Kira dit qu'elle peut pas se coucher sans ah, le ça se comprend. Et pourtant elle était fatiguée. Donc c'est courageux, merci Makira de rester nous soutenir jusqu'au bout. Merci Kira. Ah regarde, téléporteur, ça sent le boss. Ah ça sent le... Ouais, alors, ouais. Alors je pense que ça va être la même stratégie hein. Ouais, mais je pense que ça va être... Je me mets en souris parce qu'il y a beaucoup quand même de monstres obscurs, donc... Beaucoup de monstres empoisonnés. Nous allons nous repaître de sa chair. Oh la vache. Oh là là. Il faut mieux s'occuper d'abord aussi, des ouais. petits. Voilà. Oh la vache. Esquive. Ouais, oh, ouais. T'as pris cher. Mais c'est pas grave, je vais survivre, regarde. Je reste... Pendant que tu chopes l'aggro. Vas-y, esquive, esquive. Oh la vache. Encore des petits qui. Attention. Peut-être dû prendre le rat pour récupérer quelques points de vie, mais. Je sais pas si c'est un bon. Oh, un bon calcul, ça y est, je suis tombé. Résiste, résiste quelques secondes, le temps okay, que je revienne. Ouais, si ouais, tu ouais. peux. Je résiste. Ah, c'est bon, ça y est, je suis revenu. Oh la vache! Quand il part en tornade là, il est quand même particulièrement chaud patate. Il a l'air de voir 3 barres de vie. Vert, jaune, rouge. Oh purée, il vient sur moi. Attends. Ah tiens bon, je... Voilà. Voilà, je vais y passer. Je suis pas en grande forme non plus. Attention. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah, j'ai pris. J'ai allez, pris, on l'a presque, on l'a presque là. Alors, est-ce que toi. Oh là. Aïe, j'ai pas pu esquiver. Allez, on va la oh voir. Merde, il renvoie une deuxième. Ah là là, une deuxième salve. Oh. Oh la vache. J'essaie de reprendre la vie avec la souris. Ah, ah non, résiste Marcus, résiste. Résiste, oh résiste. Non, oh non, oh non, j'étais ah, presque. J'étais presque. J'espère qu'on revient au j'espère aussi. On va voir ça tout de suite. Oh, non. Attends, attends, mais peut-être qu'il y a le téléporteur qui nous amène directement il au truc. Ouvert les... On va voir. Ah c'est chaud sinon, il n'y avait pas de pierre pour sauvegarder. Attends, regarde le téléporteur là. Ouais. Ah ça va. Ah pardon. Ah, attends, attends. Tu voulais faire quoi? Non. C'est pas grave. Non mais de toute façon on est déjà au max de la vie, c'était pour récupérer éventuellement de la bouffe mais on est déjà au max. Attends, on n'a pas de... On n'a pas de quête. Eh non, on peut... Ah t'avais pas pris du stuff tout à l'heure pour j'ai protéger. Pris 6... On aurait pu s'acheter des trucs. Bon c'est un peu tard. On aurait pu acheter des choses. C'est pas grave. On était ouais, pas loin, on était vraiment pas loin. Je pense qu'on était à la dernière vague là. Ouais. Oh la vache! De toute façon, faut pas oublier de switcher pareil avec la souris quand le garde. Oh la vache! Ah, on s'approche trop, il faut pas s'approcher, il faut vraiment attendre qu'il ait fini de. Donc on attend qu'il ait fini de tournicoter. C'est ça. Oh la vache! Je me suis fait éclater par des bestioles toutes bêtes en fait. Alors attends. Ah ça y est. Oh, oh putain mais direct sur moi. Il a repéré le point faible, le maillon faible de l'équipe. Il s'acharne. Okay, ok. Oh la vache. Quand il te chope dans un coin, y'a pas grand chose à faire. Est-ce qu'il a. Bah... Oh purée. Aïe, je suis mort. J'essaye de résister, tu reviens dans 4 secondes. Aïe. Est-ce que je peux tenir encore 4 secondes? Marcus, hésite pas à changer de personnage si tu me sens plus. Écoute, elle est pas mal, elle est pas mal. Et regarde, il commence à être fatigué là, lui. Ouais. Ah, ouais. Les petits lags.
Oh la vache. C'est fait avoir par les autres. Te fais pas voir. Ah ça y est. Allez, pas que tu meurs là. Allez, on l'a. On le tient. Ah, je suis mort juste après toi. Je vais juste me planquer en attendant que tu reviennes. Un petit jambon là. C'est bon. Ah putain, c'est quoi ces lags bizarres là? Allez, on le tient. Allez, oh yes, magnifique! C'est bon. Magnifique! Goinfrons-nous de navet pour festoyer! Oh bon sang! Dans les deux cas, on redoute une nouvelle gag une nouvelle vague du fond du casse-marron. Ah, oh, magnifique! Ah oh, bah bravo à toi, heureusement que t'étais là, vraiment. Je pense pas que je serais allé aussi loin ce soir sans ton aide. Oh là là, 5 jetons, mais on est riche. Super, on va pouvoir. Je veux entendre le discours de remerciement du roi, ça c'est important quand même. Alors, comment on rentre à la maison maintenant? Oh, continue, regarde. À droite. Ah, oh, on a un objet c'est... là. Faut faire le tour peut-être. Tadadadam. Oh, un bout d'un puzzle, qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, un fragment de cristal. Puisque comme dans tous les scénarios de Heroic Fantasy, il faut retrouver un fragment de cristal. Il y a un cristal, c'est ça. Et on a récupéré quand même une quête. Et puis maintenant, ça doit être déverrouillé, j'imagine. Voilà. Elle est validée, celle-là. Pas. Ah si. Ah ben niveau 5. Bien, non mais incroyable. Hurrah, hurrah les amis. Alors mais c'est la fête. C'est la fête sur le chat. Tout le monde nous... On nous vénère. Bravo. Ok, parfait. Ah, oui, parce que attends, il va y avoir un petit côté scénario. Ignoble créature. Ah là là, il ne faut pas. On croit que c'est fini, mais c'est pas fini. Ah, moi, je pense qu'il va juste nous menacer, mais. La créature ignore ce dont il s'agit. Mais nous, nous savons. Ce sera un peu Gollum. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont pris ma précieuse. Ça me gêne. Ah, revoilà Randy. Halt. 2 secondes, reprends mon souffle. C'est vraiment bien. C'est bien écrit. Je ne crois pas pouvoir te jouer de moi. Je sais que c'est toi avec tes yeux vides qui a fui la cave avec ma baguette. C'est du vol. Tu n'es plus seulement un suspect, tu es un fugitif. La baguette m'était restinée, rendez-moi. J'adore les faux choix. Non ou... Ah non. Très bien, je vais employer la manière forte. Qu'est-ce qui se passe? Arrête ça tout de suite, je dois retrouver mon maître. On l'a enfermé. On n'a ni la technique ni la prestance nécessaire pour utiliser correctement la baguette. Tu n'as même pas de diplôme de magicien. Bon, bah... Je crois qu'on peut utiliser le téléporteur. Ouais, écoute, il y a du navet à prendre. Le téléporteur pour ressortir, carrément. Oh, bah, ouais. On met tout au maximum. Oui, oui. Parce que de toute façon, on était dans la salle du donjon, du boss, donc... Et là, on peut aller voir le roi, je pense. Est-ce qu'il est toujours devant son château pour nous remercier? Elle est forte, celle-là. Ah, voilà, votre Altesse. Quelle bravoure, quelle audace. Ah, merci. Dire que j'ai eu le courage d'attendre à l'extérieur, je n'ai jamais été si angoissé de toute ma vie. Et nous avons éliminé le plus gros de cette substance gluante. Bravo à nous. Le mec s'accorde les lauriers. Nom d'un tube à essai, tu as réussi, tu as trouvé un fragment de gemme. Alors voilà la momie. Je ne m'étais pas senti aussi vivante depuis le jour où j'ai découvert les ingrédients de la poussière de fée. La momie de... C'est un peu je... La momie s'appelle Daniel. C'est vrai, c'est je s'appelle Groot un peu, elle dit toujours les mêmes trucs. Si tu trouves 3 fragments de gemmes, tu les rapportes à mon labo, je devrais pouvoir canaliser leur puissance. Ah, très bien. Toujours récupérer des gemmes. Oh, vraiment, c'est tout bonnement prodigieux. Oh, comme c'est palpitant. Ah, j'adore, il y a vraiment du second degré. Armanda, vous la trouvez la tarte. Ah, Armanda, c'est celle qu'on a croisée dans le château. Et elle est partie à la taverne, très bien. Allez, une petite sauvegarde, je propose qu'on aille finir à la soirée à la taverne, histoire de dire au revoir à tout le monde dans un endroit un peu convivial. Est-ce que ce serait là? La taverne des tables rondes. Ah bah elle est là. C'est bien là. Ah bah elle est là. C'est elle parfait. Est... Je botterai des fesses toute la journée. Ah non, c'est pas elle. C'est ça, et c'est une fan. Elle est là. C'est pas elle. Ah bah elle est à gauche en fait. Ah, c'est ça. Elle est là, sa tête. Je vous en dois une, merci d'avoir défendu le royaume.
La tempête de cette nuit m'a réveillé en sursaut. Un incident similaire s'est produit il y a fort longtemps. La calamité, c'est ça qu'on doit combattre. Bon, je passe un peu les petits dialogues. Ah, il y a un nouvel endroit. Les catacombes de la reine sorcière. Il y a Dindin qui dit c'est Daniel Gilbert, la momie. Ah, c'est bien possible. Oh là là, plein de nouveaux trucs. Ah, puis ça a grandi la map. On pensait que la map était petite, mais... Et en plus, ils vont en ouvrir. C'est ça. En tout cas, on est loin du... Oui, c'est vrai que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et nous voilà écuyés, quand même. Ah. On finit bien. Eh bah, très bien. Eh bah, écoute, est-ce qu'il y a un endroit où on peut picoler? Tiens, viens, il y a des poulardes. Il y a un distributeur de soda pop. C'est bien. C'est bien. Bon, je vais me mettre là. Ah bah, je te propose qu'on déguste ce cochon. Je suis en train de lui déguster les fesses. C'est pas... Allez. Très très propre ce qu'on est en train de faire, mais voilà. On va finir là-dessus, les amis. C'était magnifique. Merci mon placero pour le coup de main. Vraiment, c'était cool de t'avoir avec moi. Et c'était super de pouvoir avancer autant dans le jeu grâce à toi. Donc, de rien. Les amis. Des applaudissements, des icônes, des, tout ce que vous voulez pour le Blasero, qui franchement a assuré. Et pour toi aussi. Ah non, Marcus, franchement, quand je me suis caché lâchement derrière toi. Mais c'est bien, ça montre qu'on peut faire ça quand on a des vrais amis, voilà, sur qui on peut compter. C'est ça le jeu vidéo aussi, c'est bien. C'est bien. Ouais. Et ben voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé ce petit jeu, vraiment. Je pense que je vais continuer. Je sais pas trop ce qu'on fera la semaine prochaine, on verra ce qui sort. Peut-être je vais m'entraîner à Rainbow Six aussi. C'est un genre un peu différent, mais voilà. Je vais regarder si j'ai des amis en ligne. Le Mike, est-ce que le Mike a décidé de... le Preda Mike a décidé de streamer ou pas? Je n'arrive pas à voir. Mon dindin, on va regarder ça tous les deux. Si jamais tu vois... Je ne vois pas en ligne. On a... Ah, le Fred Zolf. Le Fred, il est... Oui, il fait la discussion. Proposer, on va aller voir l'ami Fred, alors. Mr. MV Windjammer. Ah bah oui, il aime bien les vieux trucs. Joueur du grenier, très bien, voilà, que des gens bien tout ça. Et ben on va vous envoyer chez le Fred Zolf si vous n'avez pas envie de vous coucher tout de suite pour aller papoter avec l'ami Fred, je pense que ça lui fera plaisir de vous voir. Voilà, bah, quant à nous, merci d'avoir suivi ce stream, c'était cool une fois encore, il y a eu de la bonne vanne, il y a eu des beaux pseudos. On se régale tous les jeudis soirs, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. C'est bien, ça devient une bonne habitude, on sera déçus le jour où on va se faire chier, il n'y aura pas de vanne, pas de pseudo. Mais je crois que ce jour-là n'arrivera jamais. Voilà, tout le monde va se coucher. Ça y est, Makira va se coucher. Oui, quand même, c'est normal. Mais bah, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bonne nuit, gros bisous, les amis. Bonne nuit, mon Snakehead. Bonne nuit, ma petite Jade. Bonne nuit à Syntax Error. Bonne nuit à Solifred. Pixel69, gros bisous. Bonne nuit, mon Sullivan. Bonne nuit. Le Fossoyeur arrive à la fin. Bah oui, c'est trop tard. Tu vas enterrer le... Oh, enterrer le chat, mon petit Fossoyeur. Bonne nuit, Malex Kawaii. Bonne nuit à ma Frenchie Ginger. Bonne nuit à Triton. Bonne nuit à Eurixis, fond du caleçon marron, le renard, le concombre masqué. Les habitués, jusqu'au bout de la nuit. Comme toujours, mon Genshi Tony était là. J'avais pas vu. Je t'ai fait des bisous, mon gars, au passage. Le renard des bois sombres aussi. J'avais pas vu non plus. Le JR Zombie, j'ai vu. Il a fait des très bonnes vannes en plus. Le frotteur The Last Dinosaur. Bonne nuit. Bitnosaur, pardon. Excuse-moi, j'écorche un si beau pseudo, si c'est pas triste. Bah, bonne nuit à tous, les amis. C'était vraiment cool. Donc, soyez sages. Allons papoter avec l'ami Fred Zolf. Bonne nuit, Ted Rome aussi. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Et bientôt, il y a des salons à Agen et Avignon. On va se voir en vrai. Je vous en reparlerai. Ça va être pour février, donc ça va être l'occasion de se voir en vrai. Très très vite, ça arrive très très vite. Allez, j'envoie le générique avec Tom. Gros bisous à tous. Bisous mon Vlacero, merci encore. Soyez sages, à la semaine prochaine, ciao. Salut les petits amis, salut, salut, salut. Du 21e siècle, écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule. L'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le poulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, de Bruce and Lazarus, qui danse la Chewbacca entre deux pas de pita. C'est le Marcus, Marcus, de Bruce and Lazarus.
Level One, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, j'ai pas avec mort, une là. Tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, bidon le buzz éclair, tous les zinzins du software. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au-delà. Il danse la Chewbacca entre deux pains de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, Marcus, the first and last of us.